Rebonsoir, l'une des meilleures OST du jeu vidéo, je veux rien entendre. En fait, ceci n'est pas négociable, en fait, juste, c'est un fait, il faut juste l'accepter, en fait, c'est tout bon. Rebonjour. Rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure, bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je relance vraiment très tardivement à des horaires vraiment pas conventionnels du tout, mais on a déjà fait un live tout à l'heure sur FF14, et du coup là, on va enchaîner sur du Trackmania, parce que j'ai grave envie de rejouer à Trackmania, donc écoutez, quand on a envie de faire des choses, il faut pas se retenir de les vivre, d'accord? C'est un super slogan, Florence, tu l'as dit avec beaucoup d'entrain et beaucoup de conviction, c'était bien. Alors attendez, je vais remettre un peu de musique, mais on va mettre un truc un peu plus chill, parce que celui de... c'est le thème de Stormblood, du coup, de FF14, pour ceux qui chercheraient. Encore une fois, je vous conseille de ne pas chercher les musiques de FF14 si vous comptez faire le jeu, parce que c'est spoilant, en fait. C'est juste, c'est là, tu te dis, ok, bah, du coup, je serai spoilé, en fait, tout simplement. Je serais tout simplement spoilé. Voilà. On va baisser la musique, elle est trop forte. Oui, encore. Voilà. Comment allez-vous? Level max sur F14, c'est 90. Et comme je disais tout à l'heure, il y a le niveau d'objet qui est très important aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes niveau 90, vous avez encore des trucs à perfectionner. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir. Du coup, on va jouer à Trackmania, parce que j'ai très envie de continuer un peu à train les maps de l'ascension. J'avais envie de continuer hier, mais j'étais un peu fatiguée, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va cut. En plus, il est tard, et j'essaie de plus stream jusqu'à 4h du mat, lol. Donc j'ai cut en me disant, bah, on reprendra peut-être après FF14, et voilà. Donc, j'ai fait ma pause bouffe, tout va mieux, j'ai le ventre bien rempli. Je suis bien repu, du coup nous allons pouvoir vroom. Moi c'est le thème de Shadowbringer que j'écoute tout le temps. En vrai tous les thèmes des extensions je les aime trop, mais je crois que... Je pense que... Enfin il y a beaucoup de musique que j'aime beaucoup, mais je crois que Stormblood c'est parmi mes préférés en vrai, avec Endwalker aussi. Vous en avez des pouics, c'est Oliver. Il appuie sur un jouet où il fait pouic pouic. Si, la moire c'est compliqué à mettre en place, mais si c'est toujours prévu. Actuellement en train de faire du NG+, je sais pas si tu connais, à secours. Sauvez-moi. Mais non, j'ai même pas fait Rubicante encore là, je suis même pas genre dans la MSQ, au secours. Merci Samouraï, merci beaucoup pour le 17e mois, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, du coup, on va lancer ce Trackmania. On va pouvoir discuter en même temps, c'est cool. C'est très cool, on va pouvoir discuter. C'est vraiment, comme je vous dis à chaque fois, c'est un jeu à support de chatting. Donc on peut complètement parler de ce qu'on veut. Et même si je me focus un petit peu pour les maps, je reprécise que ma chaîne... Alors je ne suis pas dans le sens où la règle... On part du principe que la règle sur cette chaîne... Le backseat est interdit. Le backseat, c'est le fait de dire au streamer ce qu'il doit faire. Tu devrais tourner à droite, tu devrais tourner à gauche, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais... Voilà, donc c'est quelque chose, je vous le dis, hein, sur globalement toutes les chaînes Twitch, c'est assez désagréable d'avoir quelqu'un qui te dit « Moi, j'aurais pas fait comme ça », surtout quand t'as une expérience de jeu qui est propre à chacun. Voilà. Mais sur Trackmania, c'est un peu différent, parce que c'est un jeu... Où j'ai... Enfin, déjà, il n'y a pas d'histoire dans Trackmania, ou alors je suis complètement passée à côté. Du lore incroyable du Vroom. Et en fait, c'est un jeu où j'ai vraiment envie de me perfectionner. Donc, c'est un jeu où vous pouvez me donner des conseils, si vous voulez, à condition que vous ne soyez pas condescendant. Dans le sens, en mode, bon, c'est RGM comme ça, bref. De toute façon, sans Néodrift, cette map, elle est juste infaisable, quoi. Donc vous pouvez donner des conseils à condition de pas être des connards, en fait, globalement, c'est tout ce que je vous demande. Merci Ron pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup. Le lore de TM, vroom. Le bot Discord a pris son week-end. Ouais, je pense, il est en week-end prolongé, là. Attendez, alors... Non, il... Non, il y a Pastèque qui a pris le relais, merci Pastèque. Ouais, il a pris le week-end, là, le bot, là. Il s'est dit « so long ». J'adore le passage où la voiture elle tourne. Pourquoi tu spoil, Liz? Il y a un lore juste sur les maps de Zerator. Oui, globalement, c'est l'allégorie de la souffrance humaine. Toujours la recherche du fameux tunnel à l'arrière du stade. Putain, vous m'avez fait péter un plomb hier. Non, mais le tunnel là. Tu sais, le truc qui ressemble pas du tout à tunnel, qui ressemble à une route finalement. Hein, vous m'avez fait péter un plomb hier. Hein. Peut-être qu'il refuse d'appeler un chat quoi.
le bot est parti sur la côte d'Azur pour la Pentecôte. Ouais, il se fait une petite session à la boule, là. Hmm, il est encore à Monaco pour le GP de F1. C'est pas Wingo qui y est? Je crois que j'ai vu une story ou un tweet en ce sens. C'est pas Wingo qui est en train de... qui est à Monaco, là? Pour le GP? Les maps de Zera, c'est les différents cercles des enfers. C'est exactement ça. Taxi Trackmania accélère. Bon week-end à lui. Bon week-end au bot, bien sûr, qui n'annonce plus les lives. Kikino, merci beaucoup pour le 45e mois de sub. Merci beaucoup d'être là depuis le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kikino. J'espère que tu vas bien. En effet, je viens de check et Wingo est à Monaco. Ouais, bah c'est bien, c'est ça. Mais j'ai horreur de cette ville, par contre. Enfin, en fait, j'ai un vague souvenir, mais je me souviens vraiment d'avoir vu des buildings et des buildings et des buildings, et c'est à peu près tout. Donc, bon... J'adore cette ville. Enfin, de ce pays même, d'ailleurs. J'ai dit cette ville, mais de ce pays, techniquement. Hein. Mmh, vous avez raison. Mais ouais, j'en ai pas un souvenir impérissable, mais parce que je me souviens vraiment d'avoir vu... Putain, j'ai pas désactivé les alertes du bot. Tu penses aller à la finale de l'ascension à Montpellier? Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, j'aimerais bien même aller à Paris, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de me déplacer à Paris si j'ai pas d'autres raisons de le faire. Parce que j'en fais beaucoup des déplacements à Paris. Je me suis un peu calmée là récemment parce que j'étais un peu en train de craquer nerveusement. Mais pour ça, je sais pas du tout comment Ulti a fait pour enchaîner toutes les semaines. Mais du coup, oui, à Montpellier, c'est sûr, je serai sur place. Peut-être que d'ici là, j'aurai ma voiture. Vous vous souvenez quand la concession auto, elle m'a dit qu'elle me rappelait pour me dire quand est-ce que je pourrais aller récupérer ma voiture? Et je leur ai répondu oui, mais après c'est le week-end. Elle me dit non, on vous rappellera avant. Et que là, on est samedi, il est 21h46 et que j'ai reçu zéro appel. Comment j'ai... Enfin, je le ferai pas. Hein. Enfin, pas tout de suite, ça dépend de comment ça va continuer, mais... Comment je meurs d'envie de balancer le nom de cette concession automobile. Mais je le dirai pas, parce que je veux pas faire ça. Mais... Putain, il mérite, quoi. Non, j'ai pas eu mon permis. J'ai mon permis en 2014, moi. C'est juste que j'ai jamais eu de voiture d'ici là, en fait. Je n'ai jamais eu de voiture entre le moment où j'ai eu mon permis et maintenant. Et ouais, la finale de l'ascension à Montpellier, je le ferai, ouais, bien sûr. Bien sûr, j'ai un très très bon souvenir de la Trackmania Cup à Bercy. C'est l'un des événements Twitch que j'ai vu qui m'a le plus impressionné. Et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. L'ambiance dans la salle était folle, même si j'étais derrière deux cons qui étaient vraiment en mode... En fait, leur, vous savez, pendant la Trackmania Cup à Bercy, il y avait un moment de silence. Il y avait un moment où en fait tout le monde devait se taire dans une espèce de tunnel ou je sais pas quoi. Et il y avait deux connards dans la salle qui hurlaient. Et ces deux connards, ils étaient devant moi. Voilà. À un moment, j'ai cru que j'allais lui... Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un de violent, mais là, j'avais vraiment envie de mettre... un petit revers de la main, là. Merci Love Hack, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Avec le taggle de MV, oui, bah oui, voilà. On les entendait aussi dans le live. Ouais, en vrai, je dis qu'il y en avait deux, il y en avait un peu plus que ça, mais les plus bruyants, ils étaient vers chez moi, quoi. En fait, ils étaient morts, ils étaient full bourrés, ils étaient ivres de fou. Et je me suis dit, putain, les gars, quoi. Vous êtes à la Trackmania Cup et vous vous êtes dit, allez, c'est l'occasion de se taper une grosse race. Non, je donnerai pas le nom de la voiture. Enfin, la voiture que j'ai. Si j'avais une 208, j'en aurais rien à foutre parce que les 208, il y en a 10 000. Le modèle que j'ai, il est un peu plus rare et du coup, d'une, j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, moi, j'aurais pas pris ça parce qu'avec ce modèle-là, bah, tu vas avoir tel problème moteur, nanana, en plus, telle année, c'est vraiment un mauvais jus, machin. » Déjà, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie du backseat sur la voiture. Et de deux, comme c'est un modèle qui est assez rare, j'ai pas... Enfin, j'ai pas forcément envie qu'on me target de cette façon, vous voyez. Enfin, modèle assez rare. C'est la Bugatti Royale. Voilà, je lâche tout, encore une fois, je vous le dis. C'est la Bugatti Royale. Donc, c'est vrai que déjà que je vais pas passer inaperçu en ville avec ça. Voilà, une partie de la communauté le sait.
Il prend plaisir à leak l'information à chaque fois. Donc voilà, je vous le dis, c'est la Bugatti Royale, elle est bleue comme ça, elle est magnifique. Mais ça prend du temps à être livrée, c'est chiant. J'ai peur pour les dodanes, mais bon, écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. La capitale de l'Albanie, c'est... J'ai pu. Tirana, ouais. Moi, j'aurais voulu vous demander la première lettre, mais je savais qu'il y avait des gens dans le chat qui allaient la mettre. Capitale de l'Albanie, Tirana. Putain, je la connaissais à un moment donné, et j'avais plus de doute. L'hiver montera devant ou derrière? Je sais pas, je vais voir comment il se comporte. Pour l'instant, en voiture, il est toujours derrière parce que je suis toujours assise à l'arrière avec Oliver. Et du coup, j'ai peur qu'il pète un plomb s'il n'est pas à côté de moi en voiture. Mais le problème, c'est que s'il est à l'avant, j'ai peur que ce soit un peu dangereux. J'ai l'impression que attacher le chien à l'arrière sur la banquette arrière, c'est plus sécurisé que de le mettre devant en cas d'accident de voiture. Attachez vos chiens, d'ailleurs, hein, dans les transports. Hein, dans les... En fait, j'en parle parce que c'est pour des questions de sécurité, pour vous et pour l'animal. Si vous avez un accident de la route, d'une, ça peut projeter l'animal sur vous, donc ça peut vous faire du mal à vous, éventuellement au niveau des cervicales, donc ça peut être vraiment pas jojo. Voir l'animal, ça peut lui faire mal aussi. Il existe un truc, moi je l'ai trouvé sur Amazon, ça doit sûrement se vendre ailleurs, mais vous avez des trucs où, en gros, vous pouvez attacher sur le harnais un truc que vous mettez dans la ceinture de sécurité. Donc là où vous clipez la ceinture de sécurité pour vous, il y a l'équivalent pour les chiens, où en gros, tu clips dans la ceinture de sécurité et tu rattaches au harnais. Ne rattachez pas à un collier, bien sûr, parce qu'au moindre à coup, le chien, ça va lui mettre un giga à coup sur la trachée et ça peut être très dangereux. Donc ça, c'est seulement si vous utilisez le harnais. Et attachez votre chien parce qu'en vrai, il est plus confort, lui, parce qu'il risque moins de se balader. Et de deux, bah, en cas d'accident, ça peut peut-être lui sauver la vie. Donc, faut pas une cage pour les animaux en voiture. Si, ça peut être une solution. Mais moi, je sais que Oliver, il vivra pas très bien dans la cage en voiture. Pas sur les genoux du conducteur, par exemple. Non, bien sûr, ouais. Non, mais moi j'aurais trop peur qu'Oliver il flippe d'un truc et d'un seul coup il me saute dessus ou genre de choses, donc je suis obligée de l'attacher. Après j'ai une case de transport. Une case de transport qui est trop bien parce que c'est une case que tu peux mettre en tant que sac à dos. Et du coup, je le porte rarement en mode sac à dos, mais ça arrive. Et en fait, t'as une espèce d'extension où en gros, quand elle est vraiment à plat, tu peux sortir une espèce d'extension qui est toujours fermée pour que le chien puisse vraiment s'allonger tout son long. Et le mien a de la place parce qu'il est petit. Et du coup, j'avais acheté ça. Et du coup, peut-être que je le mettrai dans cette caisse en voiture parce que cette caisse le rassure. Parce que j'ai fait du training avec Oliver avec cette caisse pour qu'il se dise « Ok, c'est mon espace et là-dedans, je suis en sécurité et tout se passe bien. » Et du coup... Quand il arrive des fois que si je suis en déplacement et que je dois me mettre, que je dois attendre à un endroit ou à un bar, etc., je mets la caisse au sol et il arrive qu'Oliver se réfugie dedans pour se rassurer. Donc il est possible que s'il est plus à l'aise dans cette caisse en voiture, je ferai ça. Normalement, j'utilise une caisse tout le temps parce que quand je prends des Uber, t'es obligé d'avoir une caisse de transport. Sinon, généralement, on te refuse ton animal. Et puis en fait, ça évite de mettre des poils Le pauvre chauffeur, il n'a pas que ça à foutre de nettoyer sa caisse entre chaque client. Donc voilà, et je suis souvent à l'arrière avec le chien dans la caisse qui est obligé d'y être dans tous les cas. Merci beaucoup Dead Arx pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Charna pour le 33e mois. By the way, si vous voulez utiliser des Uber à Paris, il y a une option où tu peux mettre cocher la case pet, c'est Uber pet, où en gros c'est que des chauffeurs qui arrivent à d'emblée les animaux. Si vous êtes en train de prendre un taxi, un Uber, un G7 ou je ne sais quoi, appelez toujours le chauffeur avant pour être sûr qu'il prenne l'animal parce que sinon vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Voilà, petit tip si jamais vous avez besoin de vous déplacer avec votre animal. Ma veste, c'est une veste Gozulting, c'est une boîte de production qui bosse beaucoup avec des streamers. Donc elle est pas à la vente. Et comme c'est des amis, ils me l'ont offerte. C'est compliqué à dire, Adrien, parce qu'en fait c'est du salariat, mais en même temps c'est pas du salariat. Donc c'est un peu compliqué.
Merci beaucoup Philomela et merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Mon chat, c'est le pire truc pour lui, mais après 18 ans, ça a pas l'air de trop impacter sa santé. Après, les chats dans les cases, c'est plus compliqué. Oliver, j'ai vraiment fait beaucoup de training pour qu'il soit en mode ah, ok, la caisse ça va, pour pas que ce soit la guerre et tout, mais les chats c'est compliqué. Il y a des techniques pour mettre des chats facilement dans des caisses sur YouTube, notamment avec un plaid et tout machin, mais bon, c'est vrai qu'un chat quand il a pas envie, et putain qu'est-ce que ça fait mal un chat qui griffe, ça fait mal. Mais en plus moi je suis allergique et du coup quand je me fais griffer ça me fait, ça gonfle d'autant plus par rapport à quelqu'un qui n'est pas allergique, du coup bon. Manipuler des chats pas contents, j'aimerais éviter, quoi. Le gouvernement veut-il vraiment que ça change? Oh, vous pensez que le gouvernement Macron est pas très enclin à réglementer Uber et tout? Non. Les allergies aux chats, quel enfer. Ouais, mais si j'étais pas allergique aux chats, j'aurais déjà un petit chat, hein. Bonjour, encore vous? Quoi, je vous saoule, Artie? Bon, on va rejoindre quelqu'un que vous ne connaissez pas en stream, qui m'a proposé de le rejoindre. Vous ne devinerez jamais de qui il s'agit, puisque je n'ai jamais streamé avec cette personne. Cette personne ne répond pas. Bonsoir Florence. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Attends, je regarde ton son, il m'a l'air faible, mais c'est chez moi qu'il est faible en fait. Ah ouais, ok, ouais. Ok. Ouais. Bah c'est bien le bon micro, il n'y a pas de problème non, à ce niveau. Non, ouais, sur le coup j'ai cru que c'était son micro de webcam et je me disais what the fuck, mais si t'es en stream je pense que ta communauté te l'aurait dit il y a bien longtemps. Oui, mais ça aurait pu être juste sur Discord, tu vois que... Non, c'est bon. Ça arrive, le périphérique qui change tout seul sur Discord des fois. C'est vrai. Putain, ça fait super longtemps Ça fait giga longtemps qu'on n'arrivait pas à scaler une session sur Trackmania et je suis trop contente, surtout que c'est un peu inopiné quoi, c'est vraiment... C'était pas prévu du tout, et là, non, pour une vrai. Fois, on a, les planètes s'alignent, on a réussi à faire du Trackmania, ça fait quoi? Ça fait quoi, 5 jours? Ça fait 4 jours, non? Un truc comme 4 ça, jours, ouais, peut-être, ouais, ouais. 3 jours. Ouais, ah ouais, non, puis alors, bah, pour expliquer un peu aux gens, hein, c'est-à-dire que hier, je constate que... Donc, j'appelle le service après-vente de la Angle Droit Corp, évidemment. Donc, alors, faut savoir que c'est payant, parce que Angle adore l'argent. Ah, oh, bah, c'est un numéro sans taxé, bah oui, et puis quoi numéro, encore voilà, numéro, bien sûr, 15 c'est un euros, numéro sans taxé. 15 euros la minute, bon, voilà. Et donc, j'exagère j'ai un petit peu parce que c'est 14,98€, mais bon, bref. Ouais, voilà. Et donc, j'ai fait une réclamation pour avoir un stream Trackmania avec Angle au plus vite en dédommagement, quoi. Donc, voilà, c'est... La raison de l'existence de ce stream ce soir. J'ai dû m'acquitter de cette doléance. Bien sûr. De perdre mon partenaire commercial préféré, bien sûr. Oui. Bah, c'est pas que le partenaire commercial que t'aurais perdu, c'est aussi des milliers d'euros. Hein. Les avocats étaient sur le coup, bien sûr. Les avocats étaient sur le coup. Mais t'inquiète pas, ils les miens ont été prévenus aussi droit. Du litige ouais. Et qu'ils avaient déjà bossé sur le sujet. Enfin bref, je veux ouais, pas... Ouais, voilà, ouais, je... Ouais. Ne crois pas que tu étais le seul à avoir pris tes arrières, quoi. Bien mais bref, sûr. C'est un plaisir de te retrouver, JD, pour jouer avec toi ce soir, en tout cas. C'est pas du tout sous cool. La contrainte que j'ai acceptée. Non. Ouais. Non. Du coup, bah, du coup je fais la map que tu faisais hier, que bah, j'ai pas fait parce que tu m'as pas proposé. Voilà, je fais la map en deux tours, là. En deux tours, il y a quelques jours. Il n'y en a pas 10 000, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a pas 10 000 maps du jour en deux tours. Je sais pas laquelle c'est. Bah, c'est vrai que si tu l'as fait il y a super longtemps, du coup tu dois avoir sûrement un peu de mal. Non, mais j'en ai fait plein hier. En deux tours. Bah, je me souviens plus laquelle était en deux tours. T'en as fait une en deux tours oui, où à un moment il y a. Laquelle c'est ? À un moment, il y a le jeu, il te freine de fou juste avant le deuxième oui, tour. Oui, mais je sais plus laquelle c'est. Bref, tout ça pour dire que tu sais plus si t'as réussi à la gold ou pas, du coup. Bah, non, tu me dis pas laquelle c'est, tu veux pas faire pause pour me dire 25, laquelle c'est. 25, je crois. La 25 Childhood ? Ouais. Ouais, je l'ai pas gold par contre. Ouais, t'as saoulé. Ouais, on m'a dit que la gold était vraiment dure à avoir et c'est vrai que j'ai plus de 6 secondes de retard dessus donc. Ah, ok, merde.
Ouais, c'est la première que j'ai fait hier, ouais. Oh, le bourbier. J'aurais peut-être pas dû m'engager là-dedans, du coup. 14,98€ plus le prix de l'appel. Faut pas oublier le prix de l'appel, bien sûr. Faut pas oublier le prix de l'appel. Ouais, oui, prix de l'appel, hein, qui s'élève quand même à, j'arrondis, 150€. D'ailleurs, c'est même surprenant que ce soit autorisé de faire ça. Ah non, mais là, tu racontes des craques. Là, mes avocats vont te poursuivre pour une violation. Je les attends. Hein. Quand on voit ton niveau de droit à toi, je me fais pas trop de soucis, quoi. Allez, hop. C'est toujours un master 2 en droit que tu n'as pas, mon cher JD. Ouais. Mais bon, je veux dire, normalement, quand tu le trouves dans un Kinder Surprise, ça compte pas, quoi. Allez. Mais JD, t'es hostile ce soir, hein. Je sais pas ce qui se passe. Excuse-moi, t'es avocate là ou t'es streameuse sur Twitch? Pardon, hein, je pose juste la question, mais... Bizarre le master un peu, hein. Je savais pas qu'il y avait besoin du master pour demander des subprimes là. Et bah pour les gens qui ont commencé leur activité sur Net il y a bien plus longtemps, c'était pas encore réglementé, c'est comme les placements de produits, tu pouvais faire absolument ce que tu voulais et tout. Mais maintenant, quand tu veux devenir influenceur, t'es obligé d'avoir un master en droit. Merde, attends, ouais. Je suis dans la merde là. Bon, j'ai de pas, la spécialité. Non, mais toi, c'est bon parce que toi, en fait, c'était pas rétroactif en fait. Ah oui, d'accord, c'est pas rétroactif, ok, non, j'ai eu peur, ok. Mais après, tu peux choisir la spécialité que tu veux. Ouais. Moi, j'ai choisi droit du travail pour savoir comment vraiment enculer les gens avec qui je bossais, ouais, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais j'ai fait un plan sur l'avenir, quoi, parce que je me disais, bon, droit international, il y a peu de chances que ça me profite, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense avoir misé sur le bon call. Quoique, j'ai un petit regret de pas avoir fait de fiscal quand même, je te vais pas te mentir. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand un on peu voit les millions qu'on brasse, on se dit, franchement, avec tout ce que nous prélèvent les impôts, toutes ces charges patronales et tout machin, ça saoule un petit peu, donc il y a peut-être moyen de faire des petites opties, quoi. Ouais, bah ça, c'est vrai que c'est un peu vraiment l'angle mort de ton master, quoi, finalement. C'est... l'angle mort d'angle droit. Ouais, c'est l'angle. C'est ça, c'est l'angle mort, tout court. C'est... Non, mais voilà, t'inquiète, en vrai, tu défiscalises déjà pas mal. Enfin, je veux dire. Ouah, ça défiscalise tranquille, quoi. C'est... Je te vois régulièrement dans le train pour Genève, tout ça, pour. Quand ni plus dis, ni moins que quelqu'un de normal, j'ai envie de te dire. Bah, je sais pas. Ouais, non, moi, franchement, je vois rarement des gens avec des valises de billets qui vont à Genève, quoi, mais. Bah, après, toi, t'as quand même choisi de vivre près de la Haute. Enfin, en Haute-Savoie. Ouais. Tu vas pas nous faire croire que c'est pour les randos et le ski, non plus. Mais je suis né ici. Oui, mais attends, tu crois pas que c'est tes parents qui ont fait en sorte que, justement, pour l'optimisation fiscale de tes choix futurs, de ta carrière d'influenceur? Bah, en tout cas, moi j'ai pas de. Je connais aucune banque en Suisse, enfin, je veux dire, j'ai pas de compte, tu vois. Ça, c'est bien ce que dirait quelqu'un qui connaît toutes les banques en Suisse, justement, je pense. Non, mais. Mais après, JD, je peux savoir comment tu sais que je prends le train pour Genève si tu ne prends pas le train pour Genève? Ah, en fait, c'est très simple. C'est parce qu'en fait. Moi, quand je veux aller par exemple à Paris, en fait, je vais prendre des TER et des lignes régionales jusqu'à Bellegarde. Et en fait, à Bellegarde, après, je prends le train qui fait Bellegarde-Paris. Mais cette ligne-là, c'est Genève-Paris, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, je te vois souvent dans le train, en fait. Mais sauf que moi, en fait, je vais pas en Suisse pour aller planquer de l'argent comme toi, en fait. Hop là! Mouchède! Alors après, tu ne sais pas si. Peut-être que je vais prendre une correspondance à Genève pour aller en Croatie, tu sais pas, tu vois. Non, parce qu'en fait, je connais toutes les correspondances depuis la gare de Genève et il n'y a pas Croatie, j'ai jamais vu en fait. T'as jamais vu? Donc... Mais en fait, c'est parce que c'est une nouvelle ligne en fait, tout simplement, mec. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai qu'ils avaient fait ça, ils avaient fait une ligne pour aller à Machilly, une ligne pour aller à Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet et une ligne pour aller en Croatie, j'avais vu. Ils ont fait ça. Exactement. Yeah. Putain, c'est. Ouais, d'ailleurs, dernière fois, je voulais aller au Breleux, là, en Suisse, là. Ouais. Et en fait, je me suis gouré de train et je me suis retrouvé en Croatie, putain, la galère. Ça, ouais, ça fait chier, hein. Ouais, enfin, faut prendre la nuit sur place et tout, enfin c'est un peu... Ah ouais. C'est compliqué. Non, c'est... Ah oui, non, c'est une galère. Mais il y a pareil en bateau, hein. La dernière fois je prends le bateau, je voulais faire Thonon-Lausanne, c'était Thonon-Croatie en fait, je me suis fait pas vu. Alors faut bien checker avant de prendre dans le bateau, hein. c'est important. Sinon voilà les problèmes. Plus, vraiment le bateau il passait par des petits cours d'eau et tout, j'étais pas tranquille. Hein. Oh bah, il y avait des rapides, hein, ça allait vite, hein, mais ça allait vite. En même temps, c'était très long parce que bon, la Croatie, ça fait comme une petite virée quand même, hein, c'est pas... on va pas se mentir. Ça, ouais, faut. Enfin voilà, il y avait le petit déjeuner offert. Du coup, tu faisais quoi à Beuleu là?
Au Breleu? Au Breleu, ouais, tu faisais quoi en Suisse au Breleu? Ah bah pour les Breleu, bah c'était, j'allais voir Bribri, c'est un pote suisse streamer. Ouais, d'accord. Et il était au Breleu. Voilà, t'es ami avec des Suisses, c'est vraiment pas du tout par intérêt, dans le but de ramasser la nationalité à terme, ce genre de choses quoi. C'est non, pas... non. Vraiment, non, c'est complètement le hasard, si t'es ami avec des Suisses. Moi, tu sais, je suis fier d'être français, hein. Bien sûr, hein. Moi, je suis ami avec aucun Suisse personnellement, c'est. Enfin, ouais. Ah ouais? Ouais. D'accord. Non, mais même, je n'en connais pas, même en fait, tout simplement, parce que voilà, je ne sais pas ce que tu m'as dit. D'accord, mais il me semblait qu'il y avait une meuf avec qui tu. Ok, d'accord, dans my bad. Non. D'accord. Bah, il me semblait. Désolé, c'est my bad, hein, pour le coup. Non, tu stream, parce que c'est bien que je n'ai pas d'amis, je n'ai que des partenaires commerciaux. Oui, mais t'as bien des partenaires commerciaux suisses. Non. Ah ouais? Non. D'accord. Non. D'accord. Bizarre. Très sus, hein, quand même, dès le début, hein. On serait dans Among Us, je t'aurais voté. t'aurais eu ma pastille, hein, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve ça pas net, toute cette affaire. Ça pas net, si Baptiste êtes... Ouais, si jamais vous êtes fiscaliste ou quoi dans le chat, enfin, que vous êtes, contrôleur fiscal, vous avez besoin de quelques infos sur Angle en DM, n'hésitez pas. Non mais t'inquiète, je crois que le ménage a déjà été fait post-Macron, hein, t'inquiète. Ah ok. Ouais, je vois, ouais. Bref, du coup tu fais quelle map toi? Je fais la map du jour, mon charge JD, et puis après, ouais. Comme j'ai décidé que ma santé mentale se portait un peu trop bien, et ben, je me suis dit que j'allais continuer les maps de l'ascension de Zera. Ah ouais. Moi non. Je suis intelligent donc je ne ferai pas ça. Alors moi, hop là. Je suis très très con donc Oui, on l'avait déjà constaté. Très con mais je sais défiscaliser donc c'est quand même l'avantage, quoi. Oui, certes, mais bon. Si tu savais vraiment défiscaliser, ce serait pas en Suisse, mais bon, bref. Bah visiblement, moi, j'ai tout à apprendre de toi, du coup, mon cher JD. Bah disons que je connais 2-3 endroits, quoi. Je connais 2-3 pays. Faut savoir qu'il y a quand même une niche fiscale de fou à Jean Bazdelat, mais c'est une dinguerie. Ouais. La niche fiscale de Jean Bazdelat, alors ça reste entre nous, hein, le chat, hein, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut pas que ce soit un filon qui s'éventre. En plus, comme c'est petit, ça risque de se voir très vite. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais l'optimisation fiscale de fou qu'on peut faire à Jean Bazdelat. Jean Bazdelat, c'était de ça? De quoi, lequel? Oui, bah Jean Bazdelat, bah, tous les habitants de Jean Bazdelat, ils essayent de placer leur compte à Jean Bazdelat, du coup, bah, mais... un classique. Ouais. Avec les optimisations fiscales que tu peux faire là-bas... Ouais. Mais je suis d'accord avec vous, hein, JD, il a un peu une obsession avec l'obsession fiscale, la fiscalité et les Suisses, je suis un peu d'accord. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que moi je ne l'ai pas spécialement, quoi. Donc, c'est pas ceux qui en parlent le moins qui le font le plus, comme dit le proverbe. Non, ça c'est pour le sexe, JD, ça, pas pour l'optimisation. Ah d'accord, fiscale. Ok. Bah, j'en parle jamais du sexe, t'as remarqué. Bon allez, on va faire cette médaille d'or là. Oui, allez, vas-y. En vrai, je vais peut-être changer de map. J'ai envie de faire la même que toi, mais en même temps, celle-là, j'ai envie d'avoir la médaille d'or, mais j'ai pas. Allez, on m'avait dit qu'elle était vraiment dure. Vraiment dure, genre infaisable ou. Non, bah non, dure, elle genre... est faisable, mais la question c'est en combien de temps, cher JD? Est-ce que c'est genre. Est-ce que y a un monde où j'ai la médaille d'or avant que cet appel entre toi et moi s'arrête? Dans le cas où je ne t'insulte pas et que je ne fais pas d'insinuation. Bon, c'est déjà parti alors dans ce cas-là, JD, hein. Non, mais dans le cas plus, où je ne t'insulte plus, je ne fais plus d'insinuation. Les avocats, ils avaient convenu d'un stream de combien de temps à peu près? Ils avaient dit on démarre un poil tard, donc on termine vers minuit et demi, je crois, ils avaient dit. Ah ouais? Ouais. On va falloir s'accrocher, hein. Oh bah après, ça va, hein. Enfin, je veux dire, tu stream avec la team du lundi, quoi. T'es... Oui, c'est vrai que niveau blague pourrie et jeu à chier. Y a JDG quand même, donc. Y a JDG, non, mais c'est le seul problème en plus de ça. Oui, non, oui. Les streams à chier, j'ai l'habitude. Oui. J'en ai fait un peu mon créneau quand même, on va pas se mentir aussi. Oui. Let's go, la médaille d'or sur la map du jour! Bravo! C'est effectivement vraiment dur, cette map de merde là.
Oui, il y a un poulet sur celle-ci. The Epic Chicken Quest. Oh, je suis très curieuse. C'est une vieille ou c'est une récente? Non, c'est une de ce mois-ci. C'est la 8. Ah, attends, il y a un lore. Attends, faut que je regarde le lore. Je skip le lore. Tu te rappelles du lore de Full Speed at Home? Oui, c'est vrai, c'est une dinguerie. Ouais. Meilleure map du jeu. Du coup, ça raconte quoi depuis très très longtemps là? Eh bah, pas grand chose, mon cher JD. J'ai perdu quelques points de santé mentale hier en faisant mon stream. Ouais. Hey, listen! Attends, c'était. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. D'accord, c'est pour le GPS. My chickens escaped again. Last time, I found them in 42,5 secondes. Merde. Be faster and I will give you my precious. J'ai pas le temps de lire. Ok. Il y a un lore avec les poulets là. Florence, je viens de remarquer que la map en deux tours là, etc. Mmh. Après y avoir joué pendant 30 minutes, je viens de remarquer qu'en fait on était dans une chambre sur la map. Ah bah c'est littéralement la miniature, mec. Ouais, mais j'ai pas. Mais dis donc, mais t'as l'œil, non? Ouais, j'ai l'œil, ouais. Après, moi je regarde juste la route quoi. Moi je suis quelqu'un qui vroom quoi, de manière générale. J'ai envie de rouler là. Moi j'aimerais trop pouvoir rouler IRL, mais comme j'ai une concession automobile à chier, bah ils ont décidé qu'ils voulaient pas me filer ma caisse quoi. Mmh. Après peut-être qu'ils t'ont vu sur Trackmania et que... ils se sont dit que c'était plus prudent de lui refuser, ouais, effectivement. Voilà. C'est ça hein. C'est possible. C'est une hypothèse à ne pas exclure, effectivement. Ça va, il y a au moins deux personnes dans mon chat qui n'avaient pas capté non plus qu'on était dans une chambre. Je me sens tellement moins seul. Elle est trop dure cette map, je ferai pas. La map du poulet là? La map du poulet elle est trop dure. Ah. Non, la map du poulet elle est trop dure. Mm-hmm. Mais là je fais quoi là de ma vie là? Allez, selon la map du poulet. Hein. Ah oui, c'est souvent que je fais du Trackmania. Enfin, souvent, c'est pas toutes les semaines, mais oui, c'est, j'ai quelques heures sur le jeu. Bah, une énorme craque, je suis pas Bren, hein, mais je suis désolée de vous le dire. Mais... Moi, je pense que, très humblement, je suis un peu au-dessus de Wingo en termes de niveau, je pense. Ouais, mais... Disons que... T'es à Monaco pour le GPF1 là? Non, parce que il voulait pas... Enfin en fait, je voulais pas... Le problème c'est que si j'y allais c'était déjà plié en fait et du coup ça faisait baisser le nombre de spectateurs etc. Donc pour leur sponsor c'était pas incroyable tu vois. Mais ouais je pense que bon... Est-ce que du coup t'es dans l'écurie mystère du GP Explorer mon cher JD? Non, j'ai refusé, c'était trop des noublards. Pas bah, assez bien payé quoi. Bah les deux. On va pas sentir, c'est les deux, j'avoue. Moi je suis diamant 3 sur le jeu. Diamant 3? Ouais. Il est... Toi t'es quoi toi? Moi je suis diamant plus 3. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, ce qui est mieux que toi du coup, ouais. T'es pas plutôt chocolat moins moins? Chocolat moins moins? Non mais là par contre j'ai l'impression qu'en ce moment je suis dans une phase où je comprends des trucs et je m'améliore sur le jeu. Alors je dis pas que je suis un crack mais Ah c'est trop bien ce genre de phase. Ouais ouais ouais. C'est un peu pareil sur le speedrun, des moments où t'enchaînes un petit peu en mode ah ça y est j'ai décanté des trucs et tout. Et puis après des longues périodes de stagnation. Ouais. Et ça me fait souvent ça quand je fais une pause dans un jeu et que j'y reviens en fait. Ah ouais? Au début c'est un peu... Bah en fait au début c'est un peu raide parce qu'il faut que je me remette dedans et après j'ai l'impression que c'est comme si mon cerveau processe pendant ce temps en fait. Ouais en fait le problème c'est que quand tu fais une pause il y a vraiment un temps où tu vas devoir re-apprendre les trucs que t'avais assimilé vaguement. Mais par contre après tu peux en rajouter un ou deux de nouveaux trucs à apprendre. Ouais, ouais. Attends il me manque combien là? Il me manque encore plus de 2 secondes. T'avais la médaille d'argent tu m'as dit sur la map que je faisais ou même ouais, pas? Ouais map d'argent ouais. Non, si, argent. Ok.
Mais je suis à 7 secondes, je crois, de la médaille d'or. Vous avez entendu ça, vous pouvez clipper, hein. Anglais répond juste le mot argent comme ça sans rien dire, c'est très bizarre. Et ça montre beaucoup de sa personnalité en moi, vrai. Moi je trouve que t'as une petite obsession avec le fric fidèle, mais bon. C'est pas, moi je dis pas argent comme ça, mais bon bref. C'est vraiment, enfin je trouve que c'est pas très cool comme méthode pour demander des subs en vrai, de juste dire argent comme ça à tes viewers. Bah c'est juste pour les abuser. Primes quoi, c'est pour rappeler qu'ils existent, tu vois, c'est tout. Bien c'est. Sûr. Oh c'est le chat Twitch, hein, faut leur parler avec des mots simples. Hein. Ouais. Sub T3. Je parle avec des mots simples depuis de chat, que là. Depuis que je fais les soirées du lundi, le niveau s'est abaissé, hein, donc voilà. Bien sûr. Ouais, en même temps, faut voir aussi les communs des gens avec qui je stream, quoi, en vrai. Ouais. Parce que toi, en plus, tu détestes les pauvres, donc En plus. Donc, après, j'ai tout appris de toi aussi, mon change de dire. Quoi? What the fuck? Il va pas nous faire genre, il est rentier et qu'il est propriétaire de plusieurs appartements à Thonon-les-Bains, à Genève. What the fuck? Déjà, c'est pas à Genève, c'est à Copet, donc ça a rien à voir. C'est juste à côté. Et j'ai que deux bâtiments. On la sent bien. Donc bon, une rente mensuelle de combien? J'ai pas le droit de le dire à cause des contrats. Ah oui, d'accord. Parce que tu me souffleras en DM. Oui. Savoir si j'investis à mon tour ou pas. Non, t'inquiète, non, ça vaut pas le coup. Merci beaucoup Enarka d'avoir offert un sub, merci. Sodomika, quel pseudo. Merci beaucoup pour le 3ème mois et Vroomine pour le... Vroom pour le 8ème mois, merci beaucoup. Oui. Non rien, je suis toujours sur cette map mais voilà. Je me demande si je fais pas une erreur quoi. Ah lui il fait un, d'accord. Il y a un DLC Warhammer annoncé par Powerwash? Non. Non, c'est Bob l'éponge. Vous confondez Warhammer et Bob l'éponge. Dans quel jeu? Powerwash Simulator. Overwatch Simulator? Powerwash Simulator. Ok. J'ai un problème, JD. Je sais pas si tu suis un peu juste Overwatch de loin, tu vois. Ouais. Genre, moi j'étais très hypé par une feature du jeu qui devait être annoncée et qui nous avait teasé depuis à peu près 2019. Et en fait, cette semaine ou la semaine dernière, ils nous ont dit « Bah so long, ça n'existera pas !» Et en fait, genre, si j'étais quelqu'un de cohérent, je me dirais « Bah nique, je relance plus jamais le jeu, je suis en colère contre les devs. » Non, cette information m'a donné envie de jouer au jeu. Parce qu'il m'a ramené en nostalgie, alors que je suis absolument deg et que je trouve que ce jeu est géré avec le cul. Bien sûr. Ça n'a aucun sens, on est d'accord, je suis complètement teubé, ouais, non? Oui, parce que, je le savais déjà, y a pas de... c'est pas grâce à ça que je l'apprends, mais oui. Bien sûr. Non, mais c'est en juste vrai, le faisceau d'indices s'élargit, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Juste teubé, hein, franchement, j'ai pas d'explication. Hein. Juste teu. Merci Vilmora, merci beaucoup pour le 19ème mois de sub, merci beaucoup. Ce sera trop bien. Non, mais c'est même pas une addiction. Pardon, quoi? Vas-y. Non, vas-y, on s'en branle. Non, je dis, c'est même pas une addiction en plus Overwatch parce que j'ai pas lancé depuis 6 mois, genre. Ah non, je vois totalement. Ils ont annoncé Overwatch 2. Et tout le monde s'est moqué en mode, ouais, en fait, Overwatch 2 c'était juste une mage et tout. Ils ont juste changé les équipes, elles sont plus en 6, elles sont à 5. On était en mode, mais non, mais c'est parce qu'il y a le PVP, il y a le PVE qui va sortir et tout, vous inquiétez pas. Et en fait, ils ont fait nick. N'existera pas en fait. Tout maintenant, on se retrouve bien bête avec nos arguments. Ouais, Overwatch 2, ouais. Grave cool. Ouais, mais à toi, je sais que t'étais un main Reinhardt, toi. Identifié à la barre. Ouais, j'en ai un peu marre. De en fait, ils l'ont. Bah, ils l'ont un peu nerf depuis, hein. C'est ça le problème en fait, c'est que. C'est vrai. Il était OP au début, mais là maintenant, bon. C'est vrai que maintenant, c'est plus trop méta, quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment un truc de noublard des gens qui savent pas jouer, tu vois, c'est comme le Waluigi Wiggler sur Mario Kart. Et tu joues quoi maintenant du coup? Tracy. Tracy? Ouais. Oh, oui, t'as accès à des nouveaux persos? Bah évidemment. Enfin, t'as pas acheté l'édition premium de Overwatch 2? Non, normalement on est censé me l'envoyer parce que je dépense pas. Enfin... Bah, je fais pas l'optimisation fiscale pour acheter mes jeux moi-même non plus quoi, enfin je veux dire, bon bref. Moi ils me l'ont envoyé en tout cas. Oh, d'accord, pas moi. Ouais. Tracy, tu joues jamais Tracy toi? Non, enfin, bah non, je peux pas du coup je l'ai pas unlock, non je peux pas. Ok. Essaye de le débloquer quand même hein.
j'essaye de voir s'ils peuvent te l'envoyer ou quoi, mais... Ouais, bah, je vais leur demander, hein, mais comme je viens de chier sur leur jeu en stream, je suis pas sûr qu'ils sont attrés. Ouais, ouais. Bon. Allez, des gens ils disent qu'on est l'équipe mystère du GP. Exactement. Vous nous avez démasqué en fait, tout simplement. Quoi vous pensez, j'ai repris des cours de conduite finalement. Oui, du coup là les gens ils disent ouais, tu dis Waluigi Wiggler, mais Waluigi Wiggler c'est plus méta, oui je sais, je sais. C'est vraiment la commune dans Mister JD ça. Je sais bien. Non, 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 ça c'est la commu de Ponce, ça. Ou je sais pas qui, bah, c'est. Bah là qui pour le coup, vous partagez un peu, je pense. Ouais, peut-être, je sais pas. Tu vois, moi chez moi ça parle pas de ça, tu vois. Chez moi ça parle d'optimisation fiscale, bizarre. Ah, ça c'est la commu d'angle, ça va quand même. C'est bizarre. Ouais, j'ai pas envie que ce soit traquenard et de passer toute la soirée sur la même map en vrai. En fait, je me dis soit il faut que t'arrêtes maintenant, soit après c'est fini et tu vas pas lâcher la map. Je suis plus très loin. Ça dépend si t'as envie de passer une bonne soirée ou pas. Oui. Ok, donc c'est avec moi déjà de base, je sais, ça va être compliqué. Non, non, non. Oui. Ok, d'accord, très bien. Mais est-ce que tu veux que ce soit pire que ça encore ? Je vais rien dire. Ouais, mais ça pourrait être encore pire que pire, genre si je mettais les maps Ascension, tu vois. Tandis que là, je vais continuer celle-là qui est moins pire quand même. Mais j'ai peur de passer toute la soirée dessus à vouloir la médaille d'or et en même temps je me dis en fait je sais que c'est jouable parce qu'on m'a expliqué dans le chat le terme de snowball et du coup je sais que c'est jouable mais je sais pas en combien de temps mais tu sais en gros c'est en fait en gros c'est qu'il y a genre un tu vois avec le passage qui te ralentit justement sur la map et ben en fonction de la vitesse à laquelle t'arrives dans ce truc là ça change tout en fait. C'est-à-dire que c'est juste. Ah juste oui, bien ça. Sûr! C'est juste ce petit passage-là permet de golder ou pas, de PB ou pas, tu vois. Le reste est presque anecdotique en soi. Enfin, faut ah pas oui, traîner, tu vois. Oui. Donc, ça donne envie. Faut juste se dire, vas-y, j'arrive avec un. Ça donne envie, mais est-ce que ça donne vraiment envie à ce point? Merci, Matt Le Corbac, pour le 10e mois, merci beaucoup. Un tour vraiment propre de voir à combien j'ai d'avance et à ce moment-là, je me poserai la question, tu vois. Ah, mais comme il faut en faire deux, mec. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si je vois qu'au bout de 1, j'ai réussi à récupérer le retard. Enfin, que j'ai le retard qui est rattrapé, je me dirais, vas-y, hein, je tente 2. C'est l'effet boule de neige ou l'effet papillon en français, exactement, le snowball. Parce que l'effet boule de neige, c'était pas français déjà. Non, mais si. Non, mais l'effet papillon, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est les. Ouais, 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 un peu. Alors déjà, l'effet papillon, c'est une chanson de Benabar, déjà, petit 1. Ah, c'est dramatique. Mais voilà, ouais. Je n'ai pas volé mon titre de vieille personne, je le mérite amplement. Voilà, bref. C'est une chanson connue de Benabar, parce que j'en ai jamais entendu parler de celle-là. C'est l'effet papillon. Ah non. Petite cause, grande conséquence. Non, en fait, non, non, non. Okay. T'es sûr que tu viens pas de l'inventer, hein? Non! Ok. Parce que sinon, t'as de la SACEM à aller chercher, moi je dis ça. Ça se fait, hein. J'avais l'idée d'une chanson où en fait, ce serait l'histoire d'un couple qui est invité chez un couple d'amis à dîner. Mmh. Mais ils ont vraiment pas envie d'y aller, tu vois. Et en fait, ils font des vannes en mode bah, écoute, moi ça m'énerve. Vas-y, on s'en fiche, on va pas y aller. On ira qu'à aller dans le lit, tu vois. Et commander un McDo. Et commander un McDo, par exemple. Je peaufine encore un peu l'idée, mais je pense que je vais bientôt passer à l'enregistrement. Toi, la télé, moi, c'est pas mal, ouais. Ouais, il y a un truc. Hein. Mais après, ouais, cale vraiment le McDo, quoi. Moi, je pourrais t'avoir un partenariat, quoi. Ah ouais? Ouais. Et ça sera autre que des pailles en plastique. Ah non, les pailles en plastique c'est plus possible parce que ça tue les tortues. Je peux te... Moi j'ai du budget maintenant chez McDo. Hein. Pèse un peu. Tu veux que je te fasse une... Direct là comme ça, je te dis une propale de ce que je peux te garantir à 100%. Franchement, vas-y. Peut-être qu'être mon stream parce que c'est quand même des informations confidentielles, attends. Non, c'est bon, t'inquiète. Okay,
C'est pas privé, enfin tu sais, okay, c'est que okay. de la transparence chez McDo. Mm-hmm. Écoute, si jamais tu fais ta chanson et que tu places McDo dedans, ouais. et que la chanson fait au moins 10 millions d'écoutes, ouais, sur Spotify ou toute plateforme confondue ? Toute plateforme confondue, okay. parce que on n'est pas des chiens. Tu pourras avoir un lot de 10 glaçons. Et bah ça mérite réflexion, JD. Mais réfléchis bien. Hein, ouais, ça mérite réflexion, mais surtout, cependant. Là, on arrive bientôt en été, il va faire chaud, hein, si tu veux mon ouais. avis. Alors cependant, je ne prends aucune décision sans l'aval de mes avocats, donc. Bien malheureusement, sûr. Je reviendrai vers toi ouais. Lundi, parce qu'évidemment, ils sont en week-end, c'est bolos, ils ne travaillent pas le samedi dimanche, ce que je ne comprends pas. Mais parce que moi, de mon temps, je travaille le samedi dimanche. Lundi, c'est férié, là, en plus. Et lundi, c'est férié, donc je reviendrai vers toi le mardi. Enfin, bon, après, lundi, férié, moi, quand j'étais en cabinet d'avocat, je bossais les jours fériés. Donc, je mise un peu sur le fait que, bon, c'est bolos, ils ne vont pas non plus prendre 3 jours. Hein. Ouais. Donc, lundi, j'espère avoir une réponse. Ouais, non, je comprends. Je peux pas me décider sur un coup de tête comme ça, c'est quand même très engageant et c'est quand même lourde conséquence, donc je comprends aisément que... Bien sûr. Aucun souci. Mais je sais que c'est 10 glaçons quand même, mais c'est quand même pas une décision qu'on peut prendre sur un coup de tête. Est-ce que vous décidez d'acheter une maison sur un coup de tête ? Non, bah voilà, bah, moi c'est pareil. Mm-mm. Écoute, on s'en reparle en tout cas dans la chanson « Calais McDo », ça, même juste pour toi. Ça te rappellera vraiment, enfin, ça permettra aux gens en fait de se mettre dans un bon mood et tout. Ils vont dire ah McDo c'est sympa et tout et ils vont apprécier ta chanson du coup en général. Ouais, c'est comme ça que tout le monde aime McDonald's. Mais surtout toi, oui. Tout le monde. Pas moi, pas plus qu'un autre, hein, vraiment. Ouais. On s'en fout, on n'y va pas, on commandera un McDo. Franchement, ça le fait de fou, vraiment. Franchement, ça sonne bien, il y a un truc, ouais, hein. Ouais, non, moi, ça me donne envie de groover, hein. Mm-hmm. Là, je groove, là. Actuellement, je groove. Ouais. Non, mais ouais, l'effet papillon, ça me dit vaguement un truc, mais c'était vraiment genre... pas sa plus connue, je crois. Mais je pense qu'il y a eu un clip et tout quand même, mais bon... J'avais fait papillon, oui, il y a eu un clip, ouais. Oui. Oh, c'est comme j'ai... Oh là là. Hier, je suis retombé sur un truc que j'avais zappé, alors qui est pas genre une Madeleine de Proust de quand on était gamin ou quoi, c'est bien plus récent que ça, mais pour moi, un truc qui est vraiment dans les abysses, j'ai complètement oublié alors que ça devait être quand on était jeunes adultes, je dirais, à peu près. C'est... Est-ce que tu te souviens de Fauve ? Ah oui. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec ma commu sur quel était l'artiste le plus blanc de chez Blanc et, et la conclusion c'était Fauve. De fou. Oh là là, c'est incroyable. J'ai complètement oublié ça. Ah oui. Attends, c'était quoi, leur phrase là ? Nique ta mère le bizarre. Non, c'était pas ça. C'était. Nique ta mère le bizarre. Je sais plus, moi. Mais... Va te faire enculer le blizzard. C'est horrible. Oh là là, Fauve. On s'en fout, on n'est pas chaud, on commandera McDo, on restera sous la couette, toi, moi, et Fast and Furious 7. C'est bien oh, ça. Pas mal, pas c'est mal. Bien ouais, ça. Ouais. C'est un tube, c'est un tube. C'est instantanément un tube. Essaye de négocier pour acheter les droits de la personne qui t'a... T'as balancé ça? Genre juste achète tous les droits d'exploitation, etc. Bien sûr. Voilà. Attends, je t'envoie un petit contrat en DM, mon cher Arty. Est-ce que non, tu en très blanc, le... on a stupé Flip, oui, c'est vrai aussi. Hein. Oui. Oui. Est-ce que tu as vu le film Tetris? Non. Ok. Ouais, je pensais à ça parce qu'on parlait de droits. Le pitch? Le pitch, c'est des gens qui se... Qui se fight pour avoir les droits de Tetris qui appartiennent initialement à la Russie. Ah, d'accord, ok. C'est pas un film où c'est des blocs, où c'est des blocs qui s'emboîtent. Voilà, non, c'est pas ça du tout, mais c'est. Je trouve que c'est un film incroyable, vraiment incroyable. En fait, c'est un peu. T'as vu, ça serait un super bon nom de porn, Tetris. T'as vu The Social Network? Oui.
Bah c'est un peu The Social Network mais sur Tetris en fait en gros. Et c'est hyper bien. C'est vraiment un film banger de fou. Il est sorti il y a longtemps ? Il est sorti il y a environ un mois je crois ou peut-être un peu plus mais il est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Apple genre Apple le TV, Netflix oui. d'Apple, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai bien évidemment pris un abonnement du coup pour regarder ce film bien sûr. Non, c'est vraiment un film de fou en vrai, dinguerie. Je veux pas faire de la pub pour Apple TV, mais par contre, le film est ouf. Et en vrai, pour justement contrebalancer un peu la promo de leur service, c'est que c'est vraiment très très dommage que ce soit pas sorti en salle en vrai. Ça méritait de fou, c'est un vrai film de cinéma. Ouais, ouais, mais il y a pas mal. Bah, le dernier c'est pas Clint Eastwood. Hyper connu qui a sorti son film que sur Netflix. Eric et Quentin? Non, les autres. Non, je... Ah si, les Chevaliers du Fiel. Non, les non. autres. Ah. Non, les dinos. Charlie et Lulu. Scorsese, voilà, c'est ça. Scorsese, ouais, voilà. Pareil. C'est du pareil même à mes yeux, juste. Mm. Et il est sorti genre quoi, que sur Netflix, que sur Amazon, Il me semble qu'il est sorti que sur Netflix. Ok. Alors que le Covid était déjà, enfin pas passé, mais non le Covid. Ah oui non mais maintenant c'est plus des raisons de Covid en vrai, c'est juste la nouvelle façon de voilà de l'industrie. Quoi. Oui. Mm-hmm. On va commencer sur les maps de Zera que j'ai pas fait hier, du coup on va faire Trialogo pour l'instant. Mais après à l'inverse il y a des films qui se revendiquent uniquement au cinéma quoi maintenant. Oui. Genre je crois sur la bande-annonce du film Barbie, il y a vraiment marqué exclusivement au cinéma, tu vois. Genre c'est un peu, ah ouais, y a certains réals qui sont un peu comme ça, en mode, ouais. Un peu en mode, nous, on fait du cinéma, quoi. Le film Barbie. Mais en fait, moi, ce que je trouve dommage avec... Mais c'est un truc, je pense que c'est vraiment pour des questions de droit et nani et nana, mais ce que je trouve en fait vraiment dommage, c'est que les films comme ça qui sortent sur les plateformes, ils sortent pas juste en même temps au cinéma, en fait. Moi, je pense que l'un n'empêche pas le problème, l'autre. C'est que la distribution d'un film dans les cher, salles, ouais. ça doit être un budget de fou et que de sortir sur Netflix, ça doit coûter de l'argent, mais infiniment moins que. Ouais, mais je pense pas que ça. Mais je pense pas que tu vois, si un film genre il est, admettons, dispo gratuitement sur Netflix et qui sort en salle en même temps, je pense pas que c'est forcément un bide en salle, parce qu'aller au cinéma, c'est quand même pas la même chose, même si t'as déjà un abo Netflix et tout. Non, c'est cher mais... d'aller au cinéma, c'est le problème. Ah oui, non, c'est vraiment cher, mais. Mais une fois de temps en temps, un bon ciné, pour moi, quand je vais au cinéma, c'est pas pour forcément aller voir un film inédit, tu vois, c'est plus pour le fait de voir un film sur un grand écran, oui, tu oui. vois. Oui, oui. Moi, j'avais vu Blues Brothers, qui est un film sorti dans les années 80 ou début 90, je sais plus, au cinéma, parce que j'avais un cinéma à Clermont qui faisait des rediffusions de vieux films, des fois. Et mm-hmm. ça, c'était trop, trop bien. Mais par contre, la dernière fois que je suis allée au cinéma, c'était avant le Covid. On n'avait encore jamais entendu parler. Ouais. Mais en fait, c'est une habitude. La dernière fois que tu es allée au cinéma de ta vie, là ? Ouais. Ah ouais. Mais en fait, c'est une habitude que j'ai perdue. Et en fait, quand t'as plus l'habitude d'aller au cinéma, tu n'y penses plus en fait. Mais t'as pas vu Mario ? Non, j'ai pas vu Mario. Ouais, je vais raccrocher. Je vais raccrocher. Tu n'as pas vu le Mario ? Tu n'as pas vu le Mario ? Je n'ai pas vu le Mario, mon cher. Ok. Bah super. Ok. Et ça fait des lives sur Twitch, bref, ça se prétend gameuse. Mais bref. Exactement. Bref. Non, du coup, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Joker. Un film pas incroyable en plus de ça. Ah. Mais voir Mario, mais Mario il doit plus être en salle là maintenant. Non, peut-être que c'est trop tard. Hein. Non, en vrai, il y a moyen qu'il y soit encore un peu vu le succès que c'est, j'en sais rien du tout, en vrai, je m'en rends pas compte. Je pense qu'il est encore dans quelques ciné de grandes villes, tu vois, avec quelques séances. Et à l'inverse, et dans les petits villages de merde où ils distribuent les films avec 3 mois de retard. Oui, aussi, ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Mais... Petit banger en vrai. Petit... Enfin non, ça va, c'est cool. J'ai fait une super vidéo sur le sujet qui s'appelle... Mon avis sur le film Mario, bien sûr. C'est vrai ? Oui, ah non, mais en live sur Twitch extrait... Ouais, en fait, ouais, genre c'était sur Twitch et après oui. j'ai réuploadé le truc. Et du coup, Monté, il m'a envoyé son livre. Attends, tu vas comprendre le rapport. Monté m'a envoyé son livre, évidemment, les mots sont apatrides. Et il me l'a dédicacé sur la...
sur la première page, il a écrit à Mister JD, auteur de mon avis sur le film Mario Bros, entre parenthèses sans spoil. Et il a signé Montée de Linguistique AE. Voilà. C'est très bien. Bien sûr, je suis vraiment auteur de cette vidéo spécifiquement maintenant. Ouais, c'est, bah, c'est ton chef-d'œuvre en même temps. Bien sûr. Dans ma dédicace, il a dit qu'il faisait des bisous aux chiens. Oh. Et du coup, Barbie, t'es hypé par le film Barbie ? Non, absolument pas. C'est vrai ? Ok. Non, mais je vais peut-être le voir, j'en sais rien. Mais... Moi, ça non, mais j'ai plus du tout l'habitude d'aller au cinéma, vraiment. Et en plus, les gens que je connais à Montpellier ne sont jamais des gens qui proposent d'aller au ciné. Et du coup, bah, j'y pense pas, en fait. Ouais, ouais. Elle s'appelle celle-ci ? Remasterio. Oh putain, c'est de la merde. Hein. C'est une map Ascension ? Oui. De Zerata ou fait par quelqu'un d'autre ? Non, de Zera. Aïe. Non, il y a Rayou qui doit en faire une aussi. Il l'a pas faite déjà, non ? Pas encore ? Je crois qu'il a pas fait de map, je crois que c'était juste des essais pour essayer de comprendre l'éditeur et tout machin. Ah, ok, ok. Oh, la bande-annonce de Barbie, la dernière qui est sortie, j'avoue, elle m'a trop intrigué de fou. Hein. Enfin, c'est même pas qu'elle m'a intrigué, c'est que je comprends le pitch et que j'aime bien ce genre de mood, quoi. Mais après, à voir, sauf le film va être claqué, j'en sais rien. Oh, tu m'as bien hypé pour le film Tetris, j'ai envie de le voir maintenant. Film de fou. Et en fait, et oui, j'ai même pas expliqué sûrement, bah si, en même temps je te l'ai dit avec The Social Network, mais l'idée c'est que c'est vraiment très très inspiré de la vraie histoire de Tetris, et en fait on ne sait pas forcément à quel point l'histoire de Tetris est incroyable, en fait. Oui, mais je m'étais déjà un peu renseigné là-dessus, mais vite fait, tu vois. J'ai trouvé ça déjà intéressant, mais je me souviens pas des détails en particulier, tu vois. Je trouve que faire un film sur les droits d'adaptation d'un jeu vidéo et que ce soit bien, c'est quand même une sacrée performance. Ouais, hein. Ouais, c'est clair. Bah après, ça marchait pour Facebook, pourquoi ça marcherait pas pour un jeu vidéo, tu vois. C'est pas faux, ouais. Ça va ? Tu peux rentrer ton poney dans son pré, s'il te plaît ? Non, mais il est un peu capricieux. Lui lance une là. Carotte loin. Hein. Ouais, non, mais j'ai déjà essayé. Mais... Non, mais je sais pas, je pense que c'est. Les maps à tour, c'est un peu le traquenard hein, quand même. C'est le traquenard. Ça a tellement dur d'être aigu deux fois, même si les passages sont un peu plus courts généralement. Après, si tu veux, je peux te proposer une map à tour, mais qui est belle là, de fou. Une map du jour ? Ouais. Peut-être déjà faite. Une vieille, enfin c'est pas une vieille mais c'est une d'avril. C'est une map d'avril en mode on avait dit quoi, je sais plus ce que j'avais dit, genre un peu de Sonic, un peu de F-Zero, il y a un peu de plein de styles différents. C'est une map vraiment belle esthétiquement, mais en fait elle est un peu dure parce qu'elle est pour la gold c'est full speed et le full speed est dangereux quoi, mais elle est très très cool. Full speed dangereux, ouais. Il y a des maps comme ça, genre tu peux les faire full speed, mais voilà, tu fais des sorties de route souvent quoi, à la moindre imprécision. C'est un peu comme la map de merde que je fais là, mais en vrai, tu peux pas faire full speed, mais dans l'idée c'est ça, c'est... Moins tu ralentis... Oh non, pas des tuyaux, non, pourquoi Zera y a des tuyaux ? Aïe aïe aïe... En même temps... Rien ne t'oblige à faire ces maps là, il y a des centaines de milliers de maps sur Trackmania. Pas obligé de faire les maps d'un Vislar hein. Un Vislar ? Un pervers narcissique comme tu disais ? Ouais. Ah non, c'était pas toi qui disais ça, c'était Rayou. Ah, je pense que c'est les deux. Je suis quasi sûr de l'avoir déjà dit aussi. Hein. Mais comment je finis ? Vas-y, ça m'énerve. J'ai dit, je suis tendu. J'ai besoin du bol. Du bol ? T'as pas l'arrêt ? Non. Ah. Là, qu'est-ce que j'ai raté encore ? Ah, moi je suis un boomer, hein, faut m'expliquer. Hein. Ah non, mais c'était sur Twitter, ça, on peut tourner. C'est... Ah ouais, moi je connais Quacoubet. Ah oui, bien ! Tu connais Coiffeur, mec, aussi ? Non, ça je connais pas, c'est quoi ? C'est quoi ?
Antoine il va t'expliquer, t'inquiète, c'en est fait une spécialité. Okay. D'accord, ok. Fais tilter, Boubou, ça ne te dit rien? Mais c'est quoi? Bah, c'est un truc où en fait. Non, mais faut pas que je te l'explique, faut que tu le vois. Je retrouve pas le lien. Non, faut que tu me l'expliques, c'est ça qui est. Non, faut pas que je te l'explique. Si. Non, faut pas que je te l'explique, faut que tu non, le non, vois. Non, mais je regarderai pas de vidéo en stream et tout, donc faut que tu fasses de l'audio. Ah non, je t'en supplie, je t'en supplie! Non, celle-ci, tu regarderas pas, je te jure. De quoi? Je te jure, tu regarderas pas si tu la regardes celle-ci. Tu regarderas pas si tu la regardes? Non, tu regretteras pas. Ah ouais. Non mais t'inquiète, en vrai, de toute façon, là, je suis in-game, moi je vais pas faire une pause pour aller sur le navigateur et tout, hein. C'est hors de question, moi je suis en train de vroomer. De toute façon, je retrouve pas la vidéo. Que des gens qui parodient. Bon, par où je passe là? Je comprends même pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Parce que après... On va. Moi, je fais une théorie sans avoir aucune idée de la map que tu fais. C'est qu'en fait, il faut genre une speed de fou. Et du coup, bah, tu vois pas la suite parce que t'es pas arrivé assez vite. Et en fait, si t'arrivais hyper vite, et bah, ça te faisait passer à la section suivante. C'est ma théorie sans avoir aucune idée de la map que tu fais. Non, en plus le pire c'est qu'il faut même pas spécialement beaucoup de speed parce que t'es sur un tuyau donc c'est difficile, tu vois. Et c'est là que c'est bâtard. Tu jumps sur la route, ouais, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a pas vraiment de touche de saut dans Trackmania. Ouais. En fait, on n'est pas dans Céleste. On pourrait dash aussi. Oui. On peut faire un hyper dash. C'est plus simple. Espace pour sauter. Je vais y arriver, c'est sûr. Ça va, Angle? Ouais, je suis en train de nervous breakdown, mais ok. T'inquiète. Ça va le faire parce que t'es trop forte. Non, je déconne. On dirait Rayou. Ah ouais. Ah ouais, Hank, ça va le faire. J'arrive pas à faire sa voix. Ça va le faire parce que t'es une légende. T'es trop fort. T'es une putain de légende, il aurait dit. T'es une putain de légende. Ah ouais, t'es tellement fort. Il est trop dur à faire, Rayou. J'aime trop imiter Rayou, mais là, je suis pas dedans, là. Non, il est vraiment dur. Attends. Ah ouais, BG Samuel, un peu, là. De quoi? J'imagine pas du tout dire cette phrase. Mais si. Genre, tu vois, Samuel, il est en train de regarder Question pour un champion, là. Samuel Etienne, il dit un truc un peu stylé et tout, et là, il fait... Ah ouais, BG, Samuel, un peu, là. Et après, il fait... Oui, voilà, mais ça, en la en fait, méta, t'imites pas Rayou. C'est que, si tu réponds pas ça en 1... Pardon, vas-y. Vas-y, continue d'imiter Rayou un tout petit peu. Non, mais après, je peux faire le Rayou qu'on sait faire, tu vois. Non, vas-y, refais les phrases de Rayou que tu venais de faire là. Non, j'ai plus envie, pourquoi? Si, vas-y. Eh. Oh ouais, Samuel a BG un peu. Donc, après, c'est Nicolas Sarkozy, oui, en fait, ton imitation. Non, alors là, non, on va te faire foutre. Non. Je fais bien mieux Sarkozy que ça. Non, c'est très grave. Non, je suis désolé, mais j'entends la voix de Nicolas Sarkozy quand il imite Rayou et c'est très grave. Mais c'est Sarkozy qui imite Rayou, à la rigueur. Mais en fait, moi, le problème des imitations comme ça, c'est que si j'entends un peu de Rayou juste avant, j'arriverai à le faire, mais là, comme ça, j'arrive pas. Laurence, ferme les yeux et souviens-toi de ce que t'es une putain de légende. Ça, c'est vraiment une phrase très Rayou, ça. Ouais.
Tu veux pas, tu veux, t'es sûr que tu veux pas regarder une vidéo, tu la regretteras pas, je te jure. Attends. On verra. Je suis sur une bonne perf là. Et bah voilà, t'as tout cassé, Florence. C'est ma faute. Vas-y, je regarde sa vidéo. D'accord, ça commence mal. Je regarde dans le stream, enfin ils entendent le bruit du coup. Vas-y, vas-y. Ça bug parce que Discord ou Twitter, je ne sais pas. Bon bah attends, je vais l'ouvrir sur Twitter directement. Comme ça, ça va te miner de la crypto ou je sais pas quoi. Non, vous pouvez pas voir dans le chat, c'est bon. Non. Tu l'as regardé de ton côté ? Oui, mais ils ont entendu, mais la voix suffit, hein, la voix suffit. Ah oui, la voix, franchement. On la reconnaît, oui. Ouais. C'est pour ça que tout le monde dit tu es tulté pour vous depuis un mois. D'accord, ok. C'est la première personne à dire ça ? Oui, je crois. Ouais. Encore ce bol qui résonne. C'est... Ok. Je vois. Oh no! Ah non. Il y a des choses, vaut mieux passer à côté. Donc toi t'es tilté là par exemple, angle. Là j'ai commencé à être un peu tilté, ouais. Hmm. Toujours sur la même map du coup ? Oui. J'ai fait un test aujourd'hui qui faisait un décompte un petit peu de où on était ton lifestyle, ton mental et tout machin. Et mental j'étais à 2, je trouvais que c'était trop élevé et du coup je me suis dit vas-y on va continuer avec les maps de Zera là. Trackmania, ah ouais, okay, histoire ouais. De tomber à 1 voire 0 ce serait vraiment un goal tu vois. Y'a pas des valeurs négatives non ? Non, pas de valeur négative, ah. Mais là je pense qu'il y a moyen que j'y arrive ce soir là. Si vraiment ouais. Je fais une soirée full map de Zera, il y a ouais. Peut-être moyen que j'y parvienne. Ouais, je pense que c'est jouable, hein. C'est jouable. Non, ouais, je peux jouer à Super Meat Boy, ouais. Tu l'as pas lancé, d'accord ? D'ailleurs ? Non. En même temps, c'était il y a deux jours, donc on en parlait donc. Il a fait quoi cette semaine, JD ? Ça fait du manga. Quoi, mais t'es à cran, JD Ah non, voilà, je viens de perdre à cause de toi. Toujours accuser les femmes, ça c'est vraiment cette typical JD. Globalement, si vous voulez imiter Mister JD, il suffit d'être misogyne, quoi. Si vous voulez imiter Florence, bah, il vous suffit d'avoir énormément d'argent et de le planquer dans un paradis fiscal. Allez, donc cette semaine, j'ai eu pas mal de galères à perso, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps. Après, il y a des trucs sur lesquels je travaille, mais dont je peux pas trop parler en ce moment. Donc finalement, la question me gêne un peu entre ah, tous ces trucs dont je peux pas parler. Non, tu mais vois. Moi je parlais du stream, de ce que t'avais streamé. Et niveau stream, et bah, vu que j'avais ces galères, en fait, je n'ai pas streamé en ah, fait finalement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait mardi Fall Guys, mercredi. Je t'ai vu faire du Fall Guys, je t'ai vu mapper des trucs aujourd'hui. Oui, j'ai fait mardi Fall Guys, mercredi Among Us et après Terminado. Jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah je voilà. Sais pas si t'as revu en streaming. Hein. Non, c'était toi qui étais en train de streamer du Trackmania sans moi, je sais pas si tu te souviens. Ouais, mais si t'avais tes galères, t'aurais pas pu streamer. Bah, ça m'aurait fait du bien pour me détendre un peu, mais bref. merci les amis, quoi, c'est cool. Non, voilà, du coup. Ouais, du coup, moi, niveau mental, je suis à moins 4 déjà à cause de toi, mais c'est pas grave. En vrai, je comprends. Hein. Oui, bah, je pense bien, ouais. Mm-mm. C'est pas avec cette discussion que ça va s'arranger en plus de ça, donc... Non, mais tu t'aimes bien vroomer sans moi, qu'est-ce que je te dis ? Bah écoute... Pas parce qu'on aime vroomer tout seul qu'on aime plus vroomer avec ses amis, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Les airs solitaires sur Trackmania, c'est important, hein ?
Ce comportement de chiotte là, ça me dégoûte en vrai. Putain, j'ai enlevé les fantômes, je crois, sans faire exprès. Depuis tout à l'heure, je me disais que j'étais ultra chaud, en fait, pas du tout. Je suis un peu dégoûté là, je t'avoue. C'est la règle, hein, les ghosts, ils font toujours mieux que toi. Hein. Je me disais, ah putain, je suis devant tous les ghosts et tout, masterclass. En fait, je les avais juste des hacks. Pardon. En vrai, je commence à être chaud sur la map. Et toi? Eh ben moi je restart en boucle parce que je n'arrive pas à réguler mon début. Hmm. C'est trop bien les maps de Zera parce qu'en plus c'est vraiment pas toujours exactement ça quoi. T'inquiète. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais pas être invité aux prochains événements de Zerator de manière générale. Après, bon, les streamers qui disent du bien de ces maps, on les cherche encore. Hein. J'avoue. Disons que eux, c'est vraiment très très vite repéré que c'est des suceurs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cramé. Tu sais, c'est peut-être même un truc que Zerator il fait pour être sûr qu'il n'y a pas des gens qui viennent vers lui par intérêt. C'est vas-y, je crée des maps Trackmania de merde et s'il y a des gens qui en disent du bien, c'est vraiment juste c'est des gratteurs, quoi. Vous savez que c'était la strat depuis le début. Ouais ouais, ça y est, je l'ai percé à jour. Non mais en tout cas, il a su que je faisais ces maps hier et il m'a demandé si j'avais supprimé son numéro. Ah ok ouais. Donc tu vois, ça veut bien quand même dire qu'il est conscient, tu vois, de la malfaisance. Il est pas en mode avis sincère mais seulement positif accepté. C'est non, c'est pas Antoine Thier. Oui, en même temps. Non, il y a une part de lucidité en lui, tu vois. Il y a une part de lucidité en lui. Mais après, en vrai, pour sa défense, en fait, c'est pas tant l'homme que je critique, mais plutôt l'artiste. Il faut séparer les maps de l'artiste. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, par contre, c'est que l'éditeur, quand t'as pas des connaissances... J'ai l'impression que quand t'as pas des connaissances... des connaissances très développées en modélisation 3D hors éditeur Trackmania, si tu dois juste faire avec l'éditeur, tu vois, c'est... Les possibilités sont pas énormes et c'est très difficile de faire des belles et bonnes maps, je trouve, bah, juste en fait, avec l'éditeur de base, en fait. Le truc, oui, mais de toute façon, toutes les maps auxquelles on joue, les maps du jour, c'est pas fait qu'avec l'éditeur de base, c'est des trucs importés et tout, machin. Exactement. Voilà, après, il y a plein de maps aussi, je sais qu'elles sont pas décorées parce que ça prend du temps et que du coup, il fait les maps dans un premier temps et après, il les décore. Mais après, c'est des maps aussi de gens qui jouent énormément au jeu et qui sont volontairement durs et qui sont beaucoup moins casu que après, les maps du jour. Et encore que les maps du jour, il y en a qui sont pas du tout casu en vrai, hein. Franchement. Et après, au-delà du. Pardon, vas-y. Non, oui, il y a de tout. Juste, il y a des maps qui sont vraiment très tryhard. Bah, celle que je fais là, ouais. Bah, celle que tu fais, pour la médaille d'or en tout cas, elle est tryhard. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que aussi, en fait, je parlais pas juste au niveau des décors, qu'il y a des trucs qui s'importent. Qu'il y a des trucs que tu peux faire que si tu sais importer des trucs extérieurs, mais il y a aussi même des fois des certaines routes, la façon dont elles sont faites et tout, et les formes des routes. Je crois qu'il y a, il y a certains trucs qui sont pas possibles de les faire avec l'éditeur de base non plus. Bah ouais, tu vois, les routes qui sont pas classiques, qui sont hors, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il y a dans l'éditeur de map, de ce que j'avais compris en regardant un peu, c'est que t'as certains types de virages spécifiques, etc., et que t'as pas une liberté absolument totale de ce que tu peux faire, quoi. Il me semble, hein. Ben, en fait, il y a plein de fois aussi où tu crées juste la route avec les éléments de décor aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, certes. Ben, ça va, tu t'installes, Oliver ? Il s'est posé où ? Sur moi. Ah. L'idée, c'est horrible, Mintos, il vient d'avoir un bébé chien, et du coup, j'ai envie d'avoir un bébé chien à nouveau. Ouais. Oh, écoute pas, Oliver. Ouais, t'en as déjà un. Oliver, ça restera toujours un peu un bébé. Ah, bah, c'est un bébé, oui. Ah, voilà. T'as pas envie d'un... T'en as déjà un. Deux, c'est super. Oh là là. Dis ça devant Oliver, ouais. Aucun scrupule. Oliver en mode je ne te suffis pas.
Il est trop mignon, Oliver. Moi, c'est mon poteau. Oui, c'est vrai, c'est ton pote. Des photos trop mignonnes de toi avec Oliver. C'est vrai. Qui sont mecs que personne ne verra jamais. Parce que c'est... Voilà. Effectivement. Le bro. Je ne les diffuserai jamais sans ton autorisation au préalable. Bien sûr. En vrai, c'est un truc qui me rend ouf dans notre milieu, ça, par contre. Il y a des gens, des fois, qui font des photos, tu sais, t'es dans le champ, et tu, genre, tu sais pas du tout que t'es pris en photo à ce moment-là, et tu te retrouves sur Twitter, et quelqu'un qui a zoomé sur ta gueule en mode « Ah, regarde, elle fait la grimace, tu vois », et t'es en mode « Ah, pas que j'étais pris en photo à ce moment-là », ou tu te retrouves dans un vlog random, tu vois, tu savais pas du tout. Ouais, non, mais de fou, je Et genre, dans certains événements publics, t'as l'impression d'être complètement dépossédé de ton image. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est mon coup de gueule du jour, vas-y, ça, j'aime pas ça. Non mais il y a certaines situations, faut partir du principe que tu peux être filmé absolument en permanence quoi. Ouais. Ouais. Ça faut faire... Mais tu vois, ouais, c'est comme genre tu vois même les streams caritatifs et compagnie qui se passent en présentiel. Même quand toi t'as cut ton stream, ça veut pas dire que t'es plus filmé quoi. Ah non, ah bah là, mais en plus quand t'es dans un truc où t'as que des ordi qui stream à côté, tu sais que tu vas, rien que pour rejoindre l'endroit où tu vas dormir, tu vas passer devant 12 caméras donc... Y'a ça, puis t'as peut-être aussi une cam d'un espèce de pool global, t'as peut-être des journalistes qui sont là, qui prennent des photos... Ouais mais là c'est dans une salle où tu sais que bon là c'est l'endroit où c'est filmé tu vois. Ouais, en fait je parle plus genre dans les backstage ou dans des trucs comme ça où t'as des gens qui prennent des photos ou... Ou des stories ou ce genre de choses, et moi c'est quelque chose où je sais pas si je suis contrôle fric là-dessus, mais. Après, si j'étais photogénique. En même temps, c'est vrai que t'as beaucoup de trucs à cacher en vrai, donc c'est plutôt compréhensible aussi. Bah, déjà ça veut dire qu'il faut planquer les valises, déjà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que. Et comme elles sont lourdes, bon, bah ça se fait pas comme ça non plus, tu vois. Ouais, la fois où tu faisais. J'étais en train de rédiger des chèques avec Jérôme Cahuzac, là c'est vrai que tu m'avais dit tu croyais que t'étais pas filmé à ce moment-là. Et ben ouais, ben en fait il y avait des vues PNL derrière moi, j'avais un peu le seum en fait. Je l'avais pas vu et si je l'avais vu, évidemment j'aurais pas fait ça, tu vois. Edoui est tout le temps en train de prendre des photos un peu comme ça, sans prévenir, c'est un peu relou. Ouais, après à chaque fois il fait « Je fais mes vlogs, je suis juste en train de faire un vlog !» Alors qu'en fait il est en train de te prendre en photo pour les infos perso, c'est hyper grave je trouve. Soutenez l'indépendance des vlogs en ce banc. L'indépendance des vlogs de Mediapart. Juste sur mon Patreon. Sur mon Ko-fi. Je vais bientôt ouvrir un OnlyFans. Je mettrai des photos de ma moustache. Ou tous les angles. Ah là là, ce bon Edoui. C'est avec toi qu'on parlait qu'il s'était fait agresser ou pas du tout? Oui, avec, si, c'est de, avec toi. Par Maïwen, ouais, il me semble. Ouais. Enfin, en tout cas, j'en ai parlé en stream, j'en suis sûr, et je pense que c'était avec toi. Je crois bien que c'était... Ouais, il me semble bien. Il y a des gens à qui... Il y a des gens que j'aurais un peu plus peur de leur casser la gueule qu'à d'autres, tu vois. Et genre, Edoui Plenel, je sais pas pourquoi, mais... C'est pas que j'aurais peur qu'il me fasse du mal physiquement, tu vois. Genre, ce serait pire. Ah ouais, non, parce que c'est sûr que non. Mais par bah, contre, mais par en vrai, je sais pas, tu vois, genre, j'en sais rien. Mais. Après. Moi, je pense qu'il balance plutôt, il te met des petits coups d'article, quoi, plutôt. Moi, je préfère vraiment qu'Edoui il essaie de me casser la gueule, mais genre, vraiment, il me rétame le nez, il ouvre la carcasse de sourcilière plutôt qu'il sorte le moindre article sur ma gueule, tu vois. On est d'accord, ouais. Ce serait trop bien ça, si genre, tu vois, les personnalités quand elles sont dans la sauce, elles peuvent choisir entre genre, soit elles se font casser la gueule par Edoui, soit il y a un article dans Mediapart, tu vois, et tu gardes le choix. Oui, mais il y aurait personne qui choisirait l'article, je pense. Ouais, c'est ça, il y a juste Edoui qui a plus de phalanges ni rien à force de péter des gueules, tu vois. Donc tu as des trucs à te reprocher? Mais non, c'est pas ça, c'est juste que je me dis... Après, ceci dit, qui n'a rien à se reprocher? Oula, bah non, moi, non, mais je veux dire, tu peux toujours gratter un peu et trouver un truc où genre, je sais pas, une fois t'as déclaré tes impôts à la bourre, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Ou alors tu les as pas déclarés. Parle pas d'un truc grave, tu vois, mais... Après, si Edoui, en général, il vient pas te démarrer parce que t'as déclaré avec 2 jours de retard. Non, effectivement, généralement c'est un peu plus grave que ça, oui. Ouais.
Mais non, mais ouais. On a bien compris, Angle, que tu... Voilà, tu nous préviens quoi, qu'il pourrait y avoir un article sur toi de la part de bientôt, quoi, c'est ce que tu nous dis en substance. Très bien, très bien. Le pire pré-shot ever. Non, puis après je pourrais faire une vidéo YouTube où je dis que Mediapart a mal fait son taf, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est un hyper bon move de ma part, tu vois. Tu diras, les 94 personnes qui sont citées, qui ont témoigné dans l'article ont menti. Après il y aurait une petite update de l'article. Et après je continuerai à faire des vidéos l'air de rien, tu vois, Pépouze. Ouais, pas mal. Imagine. Florence n'a pas tout déclaré à la HATVP. Oui. Ah. Tu sais ce que c'est la HATVP? Non. Alors, je pense que c'est à peu près haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, j'avais jamais vu l'acronyme. Il est un peu... ouais. Oh, mais c'est le chat de Jean Massier pour que ça parle d'acronyme sur la... sur ce truc-là, là. Ouais, là, ils sont en train de me sortir des trucs de la Constitution et tout, j'en peux plus. Ils sont en train de parler d'un député random de la Creuse, quand personne n'a jamais entendu parler à part les Creusois. Ça marche bien pour Jean en ce moment, là, je vois. Il fait des OP avec Libé et tout, là, je vois. Il fait des OP avec Libé, Jean? Ouais, genre, il y a un pack Libé Backseat ou je sais pas quoi, je crois. Genre, d'abonnement. Ah oui, d'accord, oui. Peut-être. Pas mal. Et... jeudi soir, je regarde pas Backseat parce que je stream en général. Moi, je regarde pas parce qu'il y a Usul et je le déteste. Ouais, aussi. Bien sûr. J'aime pas trop les gauchistes en fait, donc moi, très peu de. L'extrême gauche qui condamne pas les violences, très peu pour moi. Voilà. Là, c'est la Creuse en dehors de ça, on n'a rien demandé. Non, mais la Creuse, c'est un très joli département, je dirais. La Creuse, banger. Banger de fou. C'est, tu vois, les trucs comme ça, genre Creuse, Lozère et tout, y a pas grand monde et tout, on fait un peu haha, c'est paumé, mais c'est banger de fou. Ah, la Lozère, c'est banger de fou, hein. En revanche, il existe des trucs vraiment complètement paumés et vides et tout qui sont à chier. Exemple, Haute-Marne. Voilà. Typiquement, si on a le droit de le dire, on a un ami au Marnais, d'accord. Ah, moi j'allais pas le dire, pas le formuler comme ça. J'allais dire que si vous pensez que c'est pas assez pourri, montez en bien, quoi. Donc c'est vraiment, moi, j'étais pas là-dessus, quoi. Non, là, tu vois, la Haute-Marne, c'est comme la Lozère, mais sauf que c'est moche, tu vois, vraiment, en termes de... Ah, puis c'est un peu... De ce que j'en connais, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement je connais l'anecdote sur la Haute-Marne, maintenant. Ouais, bah ouais. Et bah, je suis content d'avoir quitté cette région dans laquelle j'ai jamais vécu, quoi. Ouais. Un peu salon dans ce cas. Je sais pas si j'ai déjà traversé la Haute-Marne, est-ce que j'ai déjà été géographiquement au-dessus dans ma vie? Est-ce que j'ai géographiquement été au-dessus de la Haute-Marne une fois dans ma vie? J'en sais rien. Moi je crois pas. Quid du Nord? Bah le Nord c'est comme la Haute-Marne mais avec des gens. Et de la bière. Et de la bière. Et des frites. Et des frites. Et... Martine Aubry. Oh bah moi c'est ce qui... Entre la bière, les gens et les frites et Martine Aubry, c'est vraiment Martine Aubry qui me hype le plus personnellement. Ouais bah ouais. Elle est plus maire de Lille, non? Je sais pas. Franchement je crois que si, non? Attends. Y'a bien un Lillois qui va me dire. Allez les Lillois là, est-ce que votre mère... C'est Martine Lillois, Aubry. Ah si si, toujours on me dit. Jusqu'en 2026. Attends, mais il y a des gens, ils répondent, ils sont pas Lillois, comment vous savez ça? Il faut arrêter de regarder les streams de gens, hein, ça vous mange le cerveau. Peut-être hein. Ils ont internet aussi. Juste théorie, tu vois, vraiment. C'est élu d'un cheveu. Bon, je pense que c'est son dernier mandat en revanche. Hein. Eh ben... C'est plutôt jeune, Martine Aubry. C'est comme moi, je me demandais en vrai, genre là... Anne Hidalgo, genre en 2026 du coup, est-ce qu'elle va se représenter? Et si oui, est-ce qu'elle va, elle va regagner Paris? Je sais pas. C'est pas, moi, ce qui me fait beaucoup rire avec Anne Hidalgo, c'est que les gens qui la détestent vraiment, c'est des gens qui vivent pas à Paris. Donc, oui, bah oui, de fou. Pourtant, j'ai aucune sympathie particulière pour Anne Hidalgo, hein, mais ça me fume à quel point les gens qui ne vivent pas à Paris, genre, détestent Anne Hidalgo, tu vois.
Ouais, non, mais de fou. Mais c'est comme, il y a des gens qui disent, ouais, impossible que Hidalgo soit réélu un jour, tous les automobilistes la détestent. Je fais, ouais, mais vas-y, les habitants de Paris, il y en a combien qui sont automobilistes dans l'histoire? Tu vois, c'est vraiment... Pas nombreux, hein. Ouais, je me demande combien de personnes dans Paris ont une voiture. Je sais pas, je me suis posé la question hier exactement. C'est marrant. Moi, je pense que ça va être 1 sur 4 si tu enlèves les enfants. 1 sur 4, mais encore moins que ça. Ouais, si tu enlèves les enfants, j'ai dit. Hein. Enfin, après, c'est, moins c'est de 18. Au pifomètre, hein, c'est au pifomètre. Hein, mais je pense que les gens qui ont une voiture dans Paris, ils sont pas nombreux. Hein. Mmh. Ouais, peut-être moins que ça encore. Il n'y a pas de limite de réélection pour les maires, je crois qu'il n'y en a absolument aucune. Non, il moi me non semble. Plus, il me semble pas. En tout cas, non, parce qu'en plus, pour les petits bleds, c'est souvent que vous avez des maires qui restent pendant 20 ans ou dans des choses. C'est ça. Parce que bah, t'as pas énormément de gens qui veulent faire ça. Et... Exactement. Dans les petits patelins de 2000 ou 3000 habitants, c'est pas rare qu'il y ait un maire qui reste pendant 20 ou 30 ans. Quoi. Après, il a une rue à son nom. Moi, l'ancien maire de Thonon, pas l'actuel, mais celui jusqu'au dernier mandat, je crois qu'il est vraiment resté longtemps, il me semble. Mais j'ai l'impression que les maires, globalement, ça reste souvent stable. Genre, je pense à l'exemple, j'ai Bordeaux en tête, mais même j'ai Clermont aussi, et plein de patelins que je connais aussi, où les maires, ils sont vraiment restés très longtemps, quoi. Mmh. Du coup, j'ai l'impression que c'est assez courant que les maires se changent pas. Enfin, pas trop. Si, bien sûr, mais... En fait, les maires, c'est un peu différent. Enfin, après, tu vois, il y a quand même des étiquettes politiques et tout, et ça a une importance, mais je veux dire, de manière générale, un maire peut faire un bon taf ou un mauvais taf un peu indépendamment de... Enfin, plus indépendamment, on va dire, de son étiquette politique que la politique nationale ou même régionale, etc. Ben, dans donc, sens ça, où veut dire... ça a l'air un peu plus concret, en fait. C'est ça. Tu vois plus clairement les effets à court, moyen et long terme. Ça veut dire que tu peux avoir une sensibilité de gauche et voter pour un maire qui se revendique un peu de droite et vice versa, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vrai que c'est un peu plus stable aussi, parce qu'il n'y a pas ce côté très étiquetage et tout ça. Je pense que ça joue un peu. Bah, il y a quand même un étiquetage, je pense, notamment au niveau des rénovations, des secteurs qu'on va prioriser et qu'on va soutenir au niveau local, tu vois. Et des questions du genre comment est-ce qu'on va gérer telle problématique de type les sans-papiers aussi. Mais bien sûr. Mais après, typiquement, tu vois, c'est pas rare que t'aies des maires, tu vois, qui soient affiliés LR ou quoi, et qui, dans les faits, en vrai, prennent que des initiatives qu'on pourrait qualifier de gauche dans la réalité, tu vois. Ah ouais, bah j'y dis, dis-donc. Où est-ce que cette take ? Moi, je dis LR, c'est un peu de gauche, finalement, quoi. Je sais pas, en tout cas, je peux te parler de notre président de région, là, qui fait un peu de la merde, là. Ah, ah jamais. Ça faisait longtemps. Il a fait quoi récemment encore? Ah, c'est toi, parce que c'est le truc que t'as posté là sur les subventions. Oui, etc. Ouais, sur les subventions au festival du court-métrage, ouais. Oui, bon. Je suis une femme en colère. Oh, parce que c'est vrai, t'as raison, Chroma, parce que le clientélisme et, et le réseautage au niveau local, c'est important et du coup, ça force la stabilité. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Réal. All my homies hate Laurent Wauquiez. Après, à part casser du sucre sur notre président de région, tu sais pas faire grand chose. Hein, si tu peux me permettre. Non, je sais faire le président aussi tout court. Ah. Ah ouais, t'as déjà dit des trucs négatifs sur le président, toi ? Non, enfin, je crois pour rien, mais. Ok, ok. Je te dis, oulala, il m'enquiquine un peu celui-là quand même. Hein. Mm. Ouais, si t'es de gauche, y'a pas de soucis de voter pour Darmanin à Tourcoing, ou à Tourcoing, c'est ça, ouais. De toute façon, il est dans le gouvernement Macron. Hein. Le gouvernement Macron, c'est de gauche. Hein. Macron, il vient de. Non, base, en fait. C'est ni de gauche ni de droite. Tu n'as pas bien suivi, en fait. Ouais, mais allez, c'est un il socialiste. Il a dépassé le clivage classique, en fait. Ouah, c'est un socialiste. Il vient de chez Hollande, s'il te plaît. On sait bien que Macron est de gauche, enfin. Avec toutes ces mesures de gauche, là, tout le temps. Genre. Oui. La fois où, tu sais, là. Ah ouais, la fois où il était de gauche, là. Ouais, enfin, bon, j'ai même pas besoin de le dire, enfin, vous, ça a quand même. Ouais, ouais, vous voyez quoi. Oui. Ah là là, j'adore Macron, il est trop cool. Moi, je pense que c'est vraiment mon président préféré. De toutes les républiques qu'il y a eu dans le monde entier. Ouais, tu penses? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Pompidou à l'époque, hein, franchement.
Ouais, moi, je l'ai connu personnellement, Pompidou, parce que je suis une très vieille personne. Moi, je pense que Macron le ratio, mais bref. Et puis bon, Charles de Gaulle, en vrai... Et c'était papa, quoi. Bah, je suis désolé, moi, je trouve... De Gaulle, c'est un peu le skin de base, quoi. Ouais, c'est un peu le skin de base, mais en fait, tu vois, c'est un peu le logiciel qui a créé le skin, tu vois. Sans lui, on n'aurait pas les skins un peu légendaires. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, c'est un peu craché sur la soupe du personnage le plus principal, tu vois, le plus central. Mais sans lui, il y aurait juste pas d'histoire, en fait, finalement, JD. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y aurait pas d'histoire. Il nous en a fait des histoires, celui-là. Hein. Un peu de sa faute, hein, tout ça. Bon, allez, j'en ai ras-le-cul cette map, on change. Aïe. Ça y est. Le bol. De Gaulle, c'est le patch 1.0. Moi, je pense que Macron est trop stylé. J'aimerais trop qu'on puisse revoter une troisième fois pour lui, en vrai. Bah écoute, peut-être que enfin, en 2026, ce sera pas possible, mais peut-être qu'en 2032, c'est possible. Hein. Ah ouais, toi, t'es très, très, très carré sur les dates. Quoi. Bon, c'est bizarre, j'ai mal calculé. Attends. Ça fait combien de temps que Macron il a été réélu là ? Oh, c'était 2022. C'était pas 2022 ? Si, c'était 2022. Oui, c'était 2022, si, c'était l'année dernière. Donc la prochaine élection, c'est en 2027 ? Bah oui, ça, en fait, c'est à chaque fois, c'est deux. Ce que t'as dit ? C'est deux. Oui, 2030. Ah, pardon. 2037, je dis ? Je sais plus. Oui, mais la prochaine élection, il pourra pas se présenter. Ah oui, donc 2032. Donc 2032, donc j'avais raison, tu m'as fait douter. Pardon. Mais après, 2027, on pourra peut-être voter pour lui pour une élection locale ou quoi, ou de région ou quoi, tu vois. What? En fait, ce qui serait bien, idéalement, c'est que Laurent et Macron, ils échangent. Tu vois. Genre, Macron devient président de Auvergne-Rhône-Alpes. Et Wauquiez, président de la France, tu vois. C'est ton rêve, ça, JD ? Ouais. Ok. Pourquoi ? Parce que ça sortait de ce contexte, ça pourrait être un peu chiant quand même. Bah non, mais j'assume en vrai. Ah, t'assumes, ok. Bah quoi ? Non, je suis un peu étonné de cette take, mais... Mais bon, après... Laurent, quoi. On me dit, elle a dit 2026, ça, hein, il me semble bien. Mais non, mais en vrai, toi tu rages un peu sur Laurent parce que voilà, mais en attendant, c'est le président de région le mieux élu, quoi. Dans le bon. Ça, faut pas l'oublier. Je suis jalouse de ses frais de bouche, mais bon. Parce que moi, j'ai pas souvent fait des réceptions pour 100 000 euros, mais bon. Oh là là, bah t'as qu'à réussir un peu dans la vie aussi. J'ai qu'à me donner un peu plus, je t'avoue. J'avoue. Il en a enlevé ses reins, non ? De quoi ? Non, je demande à ma commu s'il a enlevé des de merde là sur sa route là. Je crois qu'il y en a moins. Ah, on parle plus de Laurent là. On parle de Zerata. Oui. C'est un peu pareil ceci dit. Un peu pareil. Ouais, Zera il a fomenté aussi pour retirer les subventions au festival du court-métrage. Ouais. Il y en a juste un des deux qui est plutôt cool et qui a les cheveux poivre et sel, quoi. Sinon, c'est un peu les mêmes. Idée, la Laurent Wauquiez-Zouz. Il en a enlevé ou pas ? Non, je crois pas, en fait. Hein. Je vous dis de la merde, hein. J'ai cru l'espace d'un instant que cette map était vivable. Je sais pas si c'est du 400 millième degré, du coup je commence à être perdu. Ah, dis-toi que c'est plutôt pour me foutre de sa gueule, et que si jamais un jour j'ai besoin des subventions de la région pour mes vidéos, je pourrais isoler des petits passages à l'unitaire et faire croire que je dis ça à premier degré, tu vois. Ah, c'est un plan sur l'avenir. C'est un plan sur l'avenir, voilà. En vrai, je me dis en plus, no joke...
Moi, tu sais, pour ma chaîne YouTube et tout, si je veux voir un peu les choses en plus grand et tout, et faire un peu des vidéos un peu plus produites et que j'ai besoin d'un peu de thunes, tu vois, ce serait trop cool d'avoir les subventions de région, dans le sens où, en plus, vu qu'on tourne souvent, on met bien en valeur les endroits et tout, ce serait legit, tu vois, on n'est pas trompé sur la marchandise. Ouais. Mais je me dis, j'ai vraiment littéralement déjà fait des vidéos sur le sujet suivant, à savoir Laurent Wauquiez. Genre vraiment, il n'y a pas une seule vidéo où il s'en prend pas une. Et je me dis à quel point, pour de vrai, ça peut entraver le fait d'avoir... Franchement, j'ai envie de te dire, quasi sûr en fait. Hein. Parce que là, il y a quand même tout un pattern où à chaque fois qu'il y a vaguement un truc sur Laurent Wauquiez, il y a 100 cas de subvention qui s'arrêtent quelque part, tu vois. Donc... Ah mais moi, je suis quasiment sûr que ça peut jouer. Hein. Ouais. Des trucs comme le CNC et tout machin, non. Enfin, on sait jamais, tu vois. Sauf si Laurent Wauquiez devient président du CNC, bien sûr. Voilà, en compagnie de Cyprien. Mais le duo de fou là, la tête du CNC. Bizarre ce feat, mais bon, bref. Mais par contre, pour les subventions de région, moi je serais pas. Enfin, je serais pas sans. J'allais dire une phrase sans être conspi, mais genre je trouve que c'est la phrase la plus conspi qui existe, donc je vais peut-être pas la dire. Allez, dis-la, c'est trop tard. Mais sans être conspi, je serais pas trop étonné que ça porte à conséquence, en fait. Ouais, moi, sans être conspi, je pense que cette histoire de vaccin, c'est pas très net. Bien sûr. Sans être conspi, hein. Tu sais que j'ai découvert le dernier truc... Ah non, on avait déjà fait des vannes dessus la dernière fois, je suis con. J'ai découvert le truc des conspi, là, leur dernier lubie, c'est de dire que la sécheresse n'existe pas parce que chez eux, il pleut. Oh putain. Ah, moi j'ai vu un truc drôle sur Twitter cet après-midi, je crois. C'est genre, tu vois, tu te rappelles de Florian Philippot. T'es d'accord que lui, il est resté dans les abysses du conspi. Lui, en fait, il a pris une brèche, enfin une niche, mais qui n'en est pas tellement une, qui est en gros la ligne un peu FN, patriotique, machin, raciste, etc. et tout. Mais bon, on n'est quand même pas trop anti-LGBT non plus, donc on passe pas trop pour des ringards. Par contre, le vaccin, bizarre, non? Ouais, plus un peu le côté Asselineau, tout ça, quoi. En fait, c'est voilà. Un mix un peu des deux. C'est ouais. Ça, exactement. Ouais. Mais moi, je pense que Philippot, je pense qu'il a ramassé pas mal de gens de chez Asselineau, moi, je pense. Mais tu vois, mais là, en ce moment, on en entend quand même un peu moins parler. Depuis la fin du Covid, tu vois, il est quand même un peu, il est quand même un peu tombé dans l'oubli, c'est tu vois. C'est vrai qu'on le voit un peu moins, et, ouais. Et donc... Ça m'a vraiment fumé parce que, genre, cet après-midi, il partage un article, genre, ah ouais. Attends, c'est pas sur le Twitter de Florian Philippot tous les jours. Non, c'est parce qu'il a été débunké. Ah, il a été débunké, ok. Il a été débunké parce qu'en fait, il fait, ouais, la villa la plus. Il montre un article, et voilà ce qui vient de tomber. La villa la plus chère de France a été achetée par des Ukrainiens, en mode, soi-disant, ouais, les Ukrainiens, soi-disant, c'est la guerre, machin, tu vois. Bah voilà. Et en fait, c'est là que tu vois, et en fait, tu cliques sur l'article du Figaro, évidemment. Et genre, c'est un article de genre 2021 ou 2020, un truc comme ça. Et je me dis, le mec, il est vraiment définitivement resté bloqué dans cette période. Il ne peut plus en sortir. Il n'a pas accès aux nouveaux articles, lui, tu vois. Il a un filtre spécial sur son ordinateur. C'est vraiment chiant, en vrai. C'est chiant. Peut-être qu'il fasse un partenariat avec Top Achat pour un nouveau PC ou matériel. Ouais, c'est ça. Non mais du coup, grosse masterclass, vraiment, il est en mode ouais, ça vient de tomber et tout. Tu sais, vraiment le truc des boomers qui partagent des trucs. Non, en plus c'est trop nul, genre, ça veut dire, en fait, genre, y'a aucun Ukrainien riche, tu vois, ça veut dire parce qu'il y a la guerre. Oui, c'est même, mais cherche pas, enfin. Genre, c'est bête. Oui. J'ai pas de commentaires plus pertinents à dire, à part, les profiteurs de guerre n'existent pas, en plus, enfin, tout, bref. Ouais. C'est pas du tout des gens qui se sont enrichis pendant des guerres mondiales, par exemple. Non. Mais bon... Il y a quelqu'un qui dit j'espère que personne lui dira qu'on est plus confiné. Ah non mais là il perd tout. Les petits covidios là. Ah les covidios, le régal. Mais tu sais moi des fois je tombe un peu, je regarde un peu des trucs un peu conspitières etc et tout. Mais j'ai toujours peur d'un truc. Tu sais il y avait l'histoire d'une meuf qui voulait faire une enquête sur la sociologie. Et sur la scientologie pardon. Sur la scientologie et sociologie, cette secte.
sur la scientologie. Et en fait, à la fin, bah, plutôt que de faire son enquête pour expliquer en quoi c'était une secte, bah, elle est devenue scientologue, en fait. Forcément. Et du coup, j'ai un peu peur, en fait, à force de vouloir bouffer des trucs conspi en mode, tu sais, pour faire une veille conspi, tu vois. Ouais. J'ai peur à la fin de me laisser bait par le truc et de me dire de fou, hein. Ah, en vrai ça je suis pas d'accord, mais ça en vrai ça pose question. Et après tu vois c'est la dégringolade, tu vois. C'est un peu ce truc de regarder du contenu en mode au cinquième degré, en mode troll et tout, et ouais, après d'être réellement accro, tu vois, c'est un peu pareil, je pense. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, y a ce mood là quoi. Un peu cette logique des gens qui regardent de la télé-réalité en mode second degré, en mode vraiment c'est vraiment de la merde, mais bon, ils en regardent beaucoup quoi. Ouais. Mais bon, c'est second degré quoi. Bien sûr. Selon leur dire. Ah, ce bon Florian. Et ouais, l'arc, la sécheresse n'existe pas parce qu'il pleut chez moi, ça je suis là, je l'avais pas vu venir quand même. Ouais, non mais bon. C'est comme tous les gens qui font réchauffement climatique, mais là il fait froid. Oui, oui, mais je me disais, bon, c'est bon, ça, on a compris quand même que c'était de la vie, non? Ah oui, oui. Parce que le réchauffement climatique s'accompagne en réalité aussi d'un dérèglement climatique qui fait que même si la moyenne de la température augmente beaucoup, il y a également des plus grosses variations de température qu'avant. Voilà. C'est comme ça qu'il y a des jours où. Moi, par exemple, ça, c'est vraiment déjà arrivé qu'on passe de bail de genre il fait 5 degrés la nuit et genre après l'après-midi il fait genre 28. Il y a eu ça chez moi il y a pas longtemps. Et ça, c'est des trucs qu'il y avait pas avant à ce point-là quand même. T'inquiète. Ouais. Ça n'existe pas. Mais bien sûr. C'est juste le lobby des couvertures. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, il a pas plu, donc je peux pas faire le coup de la sécheresse, enfin le coup de la non-sécheresse du coup. Ah mais j'avoue, c'est pas mal cet arc là, j'aime bien. Mais ça, je me demande comment ils virent ces gens-là au bout d'un moment, tu vois, parce que tu vois, ils vont dire « Ah ouais, la sécheresse n'existe pas parce qu'il pleut. » Et après, du coup, est-ce que au bout d'un moment, genre au bout de quelques années, ils font ah putain, à cette époque-là, j'étais trop con et tout, ou est-ce qu'ils restent teuteux jusqu'à la fin de leur vie et après bah, ils les meurent, deux. Tu vois. Mais en vrai, je pense pas que les gens qui soient conspi soient forcément teuteux. En fait, c'est ça toute la problématique, je pense. Bon, il y en a, ils avancent des trucs où tu te dis bon, ils sont teuteux, tu vois. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens dans le tas qui oui, sont non, tellement dans une espèce de défiance et une volonté d'esprit critique que du coup. Ils sont prétitieux, tu vois, surtout. Et oui, j'ai fait un raccourci. C'est pas oui, ils sont pas forcément débiles. Oui. Oui, ah bah, Madame de Malherbe, effectivement, je suis emballé. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est parce que je vois souvent des gens qui ont des. Enfin, en fait, c'était pas forcément en réaction à ce que toi tu disais, c'est que je vois des gens sur les réseaux. Qui sont ultra méprisants envers les gens qui sont bah, conspi, en mode, qui ont un peu des croyances. Et je me dis, je suis pas sûre que ce soit comme ça que ces gens-là, on va les ramener dans une espèce de rationalité, tu vois. Ouais, c'est toujours la grande question, bien sûr. Ce qui est compliqué, c'est que bah, le conspirationnisme et tout, ça peut aussi être dangereux. Ah bah clairement, oui. Bah, si tu commences à pas vouloir vacciner tes enfants, par exemple... Par exemple. Ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des épidémies de rougeole maintenant. Bizarre. Oh, c'est grave. Hein. Un petit. Oh, ça, franchement, ça va, en vrai. Et en plus, après, ça relève presque de la secte, parce qu'en fait, t'as des gens qui sont tellement dans une défiance qu'ils vont finir par retirer leurs enfants de l'école. Et en faisant un apprentissage à la maison par eux-mêmes. Alors je dis pas que tous les gens qui font ça sont des gens sectaires, hein, mais après ça peut être un peu repli en mode il y a que la famille et c'est tout quoi. Ouais. Et tu vois les cinq mêmes personnes tout le temps et... Bon, on arrive au bout de cette map. Un PB. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un dans mon chat qui dit « Mais est-ce qu'on peut vraiment les ramener vers nous ?» C'est vrai que des fois, c'est un peu la bah, question. Bah, certains oui, et d'autres, je pense, c'est dead, c'est tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, je pense aussi. Mais après, tu vois, ouais, typiquement, je pense que comme beaucoup de gens qui nous regardent,
Moi, bon, j'ai pas mal de... Enfin, voilà, j'ai pas une famille très proche, enfin, une grande famille très proche, mais j'ai beaucoup de familles un peu éloignées. Et je sais qu'au cas par cas, il y en a certains où j'arrive un peu à les raisonner en mode « Non, mais là, tu dis de la merde et tout, etc. » De démontrer qu'ils sont en mode « Ah ouais, j'avoue, ok. » Et d'autres où c'est impossible parce que ils sont en mode... La barre est déjà passée, quoi, ouais. Tu sais, ou même t'en as, là je parle même plus spécialement de gens que je connais, mais juste tu leur dis « Ouais, mais tel truc est faux, ça a été démontré comme ça » et qu'ils sont en mode « Non, mais on s'en fout que ce soit faux. » Et là t'es en mode « Bah, c'est fin de game. » Non, mais en fait c'est surtout en mode « Mais check tes sources, qui les finance et tout. » En fait, avec ces gens-là, tu vas toujours perdre, en fait. Ouais, c'est ça. Le documentaire sur les platistes sur Netflix était intéressant là-dessus, sur la difficulté à sortir les complotistes de leurs croyances, vu que c'était un vecteur de sociabilisation. Exactement, ouais. Exactement. Enfin bref. J'ai lu dans Planète, il y a plat, ça m'a fait. Comme par hasard. Après les platistes, je suis pas sûre qu'il y en ait. En fait, on parle souvent des platistes pour parler des conspis, mais en vrai, je suis pas sûre qu'en France, il y en ait. Il doit y en avoir, hein, mais je pense pas qu'il y en ait énormément. Je sais pas du tout. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu plus américain en vrai. Ouais, je pense quand même. Putain, je suis si proche de la médaille d'argent de bronze. Moi, je crois en la lune creuse. Pfff. Que ça a foutre. Une personne sur 10 en France, moi, franchement, ça me paraît un peu surévalué, mais peut-être une que. Une personne sur 10 en France ? Ouais. Mais est-ce qu'on va faire du conspirationnisme sur les conspirationnistes ? Ah, j'avoue. Sur le nombre de conspirationnistes. C'est clair. Non, puis en plus, les gens, ils se déclarent pas conspirationnistes, en fait. C'est un mot que les gens concernés rejettent, en fait. Donc, ouais, en plus. Et surtout, qu'est-ce que t'as... Enfin, où est-ce que tu places la limite à conspi, en fait ? C'est ça. Parce que, par exemple, si tu dis que... j'en sais rien, que globalement, c'est la finance qui tire les ficelles, etc., et que les médias sont pas du tout indépendants, et que du coup, ça biaise l'information, est-ce que tu tombes déjà dans un discours conspi ouais, aux yeux de gens qui ont fait ce sondage, tu vois ? Ça dépend. Oui, c'est ça. Aux yeux des gens qui ont fait ce sondage, je pense, oui. Mais... En fait, c'est ça, la plupart. En fait, la plupart des trucs comme ça, tu vois, typiquement le truc que t'as dit là, genre c'est sur les médias, la finance, machin, mm-hmm. c'est en fait, à chaque fois, la vraie réponse c'est ouais, un peu, tu vois, enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais il y a tout un truc, non, mais il y a tout un truc de nuance, tu vois, c'est genre si tu dis, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les politiques sont tous pourris ou ce que tu veux, bah souvent la réponse c'est pas forcément, mais certains oui, tu vois. Il y a des chances un peu, mais voilà. Tu vois, tout ça, en fait tout dépend par quel pourquoi tu réponds ça, en fait. C'est ça qui définit aussi pour moi s'il y a du complotisme ou ça là-dedans, tu vois. C'est si les médias ça dérive sur des trucs, enfin voilà. Tu vois, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux te dire que les médias sont pas totalement indépendants, tu vois. Oui, totalement. Et il y en a certaines qui vont être plus conspi que d'autres. Oui, exactement, je suis d'accord avec voilà. toi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est ce genre de truc, quoi, mais c'est compliqué de quantifier exactement la force de pénétration du complotisme, en vrai. Mais le pire, c'est vraiment quand ça devient, entre guillemets, stylé d'être complotiste. C'est-à-dire que même à la rigueur... Tu sais, pour t'intégrer et tout, justement, comme tu disais, facteur de sociabilisation, tout ça, t'es prêt un peu à avaler certains trucs en mode ouais, ok, oui, bon, d'accord, le 11 septembre, d'accord, bon, ouais, marcher sur la lune, ouais, c'est vrai, que bizarre, tu vois, ce genre de trucs, tu vois. Moi, j'ai eu une phase comme ça où j'ai douté du fait qu'on allait marcher sur la lune. Parce que j'avais regardé des pages internet, etc. et tout, qui expliquaient des trucs par rapport à ça. Et j'avais vu un docu qui est considéré comme étant conspi, justement. Mais sauf que j'avais 14-15 ans, tu vois, à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, j'avais pas le même esprit critique. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, quand tu penses pas mal, mais en fait, t'es un peu ce côté en mode, putain, moi, je suis du côté de ceux qui sachent, tu vois. Je pense qu'il y a ce problème-là aussi. Il y a un peu ce côté en mode, ah ouais, mais...
un peu ce côté fierté en mode putain, je sais un truc que plein de gens ne savent pas. Je pense qu'il y a un peu un problème d'ego aussi derrière ça. Exactement. Et après, j'ai jamais été en mode vas-y, je vais créer un skyblog pour en parler et tout. Genre, ça n'a jamais été très loin. Hein. Mais sur le coup, j'ai lu les théories et j'étais en mode ah ouais, intéressant, tu vois. T'as quand même écrit un bouquin dessus. J'ai quand même écrit un bouquin dessus. Mais bon, voilà, t'es pas obligé de révéler les détails. Il a été retiré de la vente depuis. Donc, c'est toujours une blessure au cœur quand même. Mais... Bien sûr. Mais du coup, bon, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas. Enfin, bon, c'est pas une. Enfin, c'est conspi. Mais bon, c'est pas un truc conspi horrible, tu vois, qui va prêter à conséquence comme énormément d'autres. Surtout que j'avais 14-15 ans et ça m'a duré deux semaines, sûr. Tu vois. Mais. Tu vas comprendre le lien avec ma question, mais tu as vu la série Le Flambeau ou pas du tout ? Non. Ah ok. Voilà, je ne peux rien dire. On a vendu plus ou moins que le dernier livre de Bruno Le Maire. En plus quand même, faut déconner. Pas déconner. Je pense que n'importe quel truc conspi se vend plus que le livre de Bruno Le Maire. Hein, ah bon. Oui, mais je pense que ça fait des super ventes en plus. Oui, du coup par rapport au Flambeau, pardon. Ouais, non, juste il y a un perso comme ça qui est très... dans ses... bon, après très caricatural évidemment, vraiment tu sais... conspi skin de base typiquement, tu vois. Oui. Conspi skin de base. Et c'est très rigolo. Il y a un truc en particulier qui est très rigolo que je vais pas révéler pour pas divulgâcher évidemment. Hein. Pour les personnes qui compteraient voir. Mais ouais. C'est intéressant comme sujet. Elle a pas vu le flambeau comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. C'est un guide tout le temps comme par hasard. Qui ça ? Le personnage dont je parle. Ah oui. Tu vois les extraits en plus. Alors, ça va être quoi cette map encore ? Voilà, voilà. Je suis bien là. En fait, ce qui est vraiment terrible avec les conspis, c'est qu'en fait, ils... En fait... Putain! Pardon. Les médias aussi ont tellement fait des trucs. Tu veux dire les merdias? Les merdias, ouais. Ont tellement fait de trucs qui pourraient un peu mettre en doute en fait ces institutions-là, pas les seules, hein, voilà, que du coup il y a un esprit critique qui a brillé en fait. C'est qu'à la base les gens voulaient pas se sentir comment dire. Attention aux mots que j'emploie parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais ils voulaient pas se faire berner et en fait à être dans une défiance totale, ils ont rejeté en bloc les médias traditionnels au sens général du terme, des fois pour des bonnes raisons au départ, et après ça a vrillé en mode tout est à jeter du coup en fait. Et c'est un peu ça le problème. C'est vrai que quand tu vois des gens qui s'informent que par certains sites, mais c'est mort en fait, tu peux même pas les ramener dans le giron quoi. Des gens qui lisent plus du tout les médias généralistes, quoi. Bah, moi, je m'informe uniquement avec la chaîne de Mintos, et c'est pas mal. Hein. Tu apprends beaucoup de choses ? Ah bah... Ouais. Comment faire une usine à... Oh putain, Zerator. Comment faire une usine à... À zombies ? En Minecraft ? Oui, aussi, ouais. Bien sûr. C'est impossible son truc. Mais je suis obligé de bugner, non ? Il y a aussi un effet où des gens sont conspirés forcément parce qu'ils y croient, mais aussi seulement par opposition au gouvernement, médias, sciences, etc. Bien oui. Sûr, ouais, l'esprit c'était de contradiction. C'est un peu ce que je voulais dire en vrai. C'est un peu ça. Il y a des gens, ils sont vraiment en mode ouais, Macron dit de la merde sur tel truc, donc il dit de la merde pour tout, tu vois. Et genre, du coup, le Covid est un complot, par exemple, tu vois. Alors que bon, je porte pas en très haute estime notre président, mais j'estime que le confinement, c'était pas une mauvaise idée, tu vois. Ouais, bah écoute, si tu as choisi d'être une Covidiote, tu fais ce que tu veux. Eh bien, je suis une Covidiote, mon cher JD. Je dois aller où, là ? Moi perso je me laisse pas avoir, mais bon je comprends en vrai que les esprits un peu plus faibles se fassent avoir. Où je dois aller mes amis ?
En bas? Oui, mais en bas où? Ah, faut retomber dans le trou. J'ai bien progressé, angle, sur la map. Bravo. J'ai battu mon PB de plus de 1 seconde et il me manque plus que 14 centièmes pour avoir la médaille d'or. Je suis un peu deg de pas l'avoir eu, mais j'ai fait une grosse erreur et je suis quand même très proche, donc en vrai, bravo. La map est pas si dure à condition de la régu. Pas dans le bon sens. Je tombe de l'autre côté. Florence le mouton, tout à fait. Ah moi, quand j'ouvre la bouche, je dis bé, hein. Mmh. Mais... impossible. Ça m'a fait pas si dur à condition d'être bon, je vais vous casser la gueule. Mon constat est sans appel, je vais vous casser la gueule. Du coup, toi aussi, je sais que en plus du confinement, ce que tu disais que Macron avait fait de pas mal, c'était la suppression de l'ISF, il me semble. Ah ça, c'était vraiment super, sauf que c'était Hollande, mon cher. C'est pas Hollande. Non, c'est les deux. C'est Hollande, non? Non, je crois que c'est quand même Macron. Hein. Suppression de l'ISF, c'est soit Macron sous Hollande, mais dans les deux oui, cas, c'est vrai, Macron. Ceci dit. Non, c'est Macron. Ah putain, j'étais persuadé que c'était Hollande. Non, quand même. Là-dessus. Tu es dessus depuis combien de temps pour être à 1/10 de l'or? Quoi déjà? Bah 2 heures du coup. Quasiment 2 heures. C'est Macron très tôt, ouais ouais. Non mais on a l'impression que... Moi j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est là donc... Ouais. Bah ça fait 1000 ans qu'il est là. C'est pour ça? Ouais. Oui, c'est vrai, Romain. Ouais, aucun conspirationnisme, hein, mais ça fait littéralement 1000 ans l'année prochaine. À la fin de son mandat, ça fera bien. Ça fera 12-13 ans qu'il sera là, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, 10, mais oui. Plus. Non, mais je compte quand il était sous Hollande. Okay. Ouais, donc ouais, 13 ans. Ouais. Non, je sais qu'on n'est plus en septennat. Je l'ai vécu, le passage du septennat au quinquennat. Ah ouais? Alors, je disais ça sous le coup de la vanne en disant je suis vieille, mais en fait, non, je crois que je l'ai littéralement vécu et toi aussi. Oui, mais d'accord, mais on avait 9 ans, quoi. Ah oui, bah... Je pense que c'était en 2002, non? C'est inconnu, hein. Je pense que le dernier septennat, c'est pas Chirac 95-2002. Si, il me semble que c'est ça. Ouais. 13 ans vécu, ressenti 5000, ouais, c'est un peu ça. Non, mon gars, j'ai tellement chaud que je suis à deux doigts de faire un live montage d'aspirateur. Montage de ventilateur en live, là. Oh là là, la dinguerie. Ouais, le concept est pas mal, hein. Le concept est pas mal. Vas-y, cette map, elle est dure, hein. 15 ans, puisqu'il était conseiller de Hollande dès 2012. Ouais. Ah, c'était dès 2012. Ah, mais d'accord, mais on peut aussi compter depuis... Non, mais on peut aussi compter depuis sa naissance, à ce compte-là. Je veux dire, à partir du moment où il a eu des responsabilités, quoi. Ah, ça dépend à partir de quand il a été conseiller, quoi. Pas conseiller, ouais, dès le début, ouais, mais, Genre, il a... Oui, non, mais pas dans le sens, depuis quand il était conseiller, à quel point il pesait dans les décisions de conseillage. Après, dès le début, Hollande, c'était pas incroyable, donc ça se trouve, je Attends, sais pas du tout. C'était un mec super, il a légalisé le mariage pour tous, quand même. Hein. Ouais. Et l'argument que je vois des fois des gens, sur des gens... Ouais. En plus, c'est bien, parce qu'en plus, ça s'est vraiment bien passé, quoi, quand il l'a fait. Ça n'a pas du tout créé une vague d'homophobie et de transphobie par la tête non. à tout le monde, là. Ça n'a pas pris 1000 ans et on n'a pas blessé 1000 ans les gens s'exprimer de leurs opinions merdiques, là. En plus, c'est fou, je veux dire, les gens qui utilisent ça comme truc de défense, c'est un peu genre l'inverse. C'est un peu s'ils l'avaient pas fait, ce serait une énorme sous-merde, en fait. C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses, en vrai. Mais juste l'utiliser en mode « Ah, putain, trop sympa, cette fois, où... » Non, puis c'est pas parce que t'as pris une décision, une bonne décision une fois dans ta vie que t'es quelqu'un de bien, en fait. Ouais, ouais. Genre, oui, bon, bah, ce mec, bon, ok, d'accord, c'est un fils d'up et il a fait des saloperies, mais une fois, il a laissé passer une mamie sur la route. Il a repassé la première pour laisser passer la mamie. Donc finalement, c'est un mec bien. Franchement, Sarkozy a toujours été hyper poli, hein. Voilà. Ah oui. Donc Ah oui, puis je le voyais chez Drucker, il était drôle aussi des fois. Ouais. Il avait des bonnes vannes.
Donc bon. Faut essayer de lui coller cette affaire Big Malion sur le dos là, mais voilà. Pardon, tu disais quoi ? Non, non, je repensais à... Je me disais, il y avait... Je me souviens plus de l'affaire Leonarda, mais il me semble que c'était sous Hollande aussi. Oui, complètement. Oh non, ça va encore pas le faire. Mais où ? Il a jamais dit casse-toi pauvre con par exemple, jamais. Non, jamais. Bah, on, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point prono président là. Bah oui, mais pas d'idée. Hein. Pas d'idée ? Non, pas d'idée. Moi non plus en vrai. C'est un peu trop tôt en vrai. C'est flou. Tout est possible. Moi je vais pas mentir que à l'heure actuelle, à l'instant précis, si je devais te dire vas-y qui a le plus de chances de gagner, moi je dirais Macron. Bah non, c'est pas possible normalement. Bah non, il va peut-être faire sauter le truc d'ici là, on sait ouais, pas. Ouais, non. Il fait passer une révision constitutionnelle et hop. Ouais, je sais pas, moi... Non, t'avais dit quoi comme nom du coup ? J'ai pas dit de nom. Mais j'ai quelqu'un en tête, mais je suis pas fan quoi. Mais je pense que malheureusement, la personne que j'ai en tête est actuellement la personne qui a le plus de chances de... Ah, je pense que j'ai la même personne en tête, et je suis peu emballé par l'idée également. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Ça commence, c'est un prénom qui commence par un M ? Ouais, c'est un prénom qui commence par un M. Comme Macron ? Comme Macron, exactement. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'idée m'emballe fort peu. Ah, pas très très chaud. Noël, ma mère, ah, peut-être, hein. Peut-être le prochain homme providentiel, Noël, ma mère. Marlène Schiappa, bien sûr, c'est de Marlène Schiappa dont on parle. Ouais, bien sûr. Martine Aubry, ouais. J'ai trop hâte de lire son prochain bouquin, là. C'est quoi le lore ? Il y a du lore ? Ou c'est juste les bouquins porno des ministres, le lore ? C'est vraiment juste les bouquins porno des ministres. Ok, ok. Ils passent plus de temps à écrire des bouquins qu'à bosser sur leur ministère. Genre, enfin, elle est secrétaire d'État, mais... Oui. Oui, j'ai capté le DEL. C'est trop cool. Angle, je vais faire une masterclass là. Marguerite Stern à l'Elysée là. Putain, c'est pas l'Elysée, mais bon, bref. J'allais dire, je vais faire une masterclass en fait. Non, je suis dégoûté. Ah, je peux encore. Il n'y a pas de raison que ça passe pas en vrai, j'ai gagné là, voilà, j'ai gagné le jeu, voilà, j'ai terminé Trackmania, voilà. Hop là, allez, ça dégage. Et bah elle était pas facile cette map hein. Tu l'as eu là alors ? Ouais, ça y est. T'es sûr ? Oui, super. T'as l'air un peu énervé quand tu le dis donc c'est pour ça que... Je l'ai eu même avec plus d'une demi-seconde d'avance, je peux te dire. Bravo. Voilà. Oh, t'es vénère quand tu me dis. Je sais pas, parce que beaucoup d'efforts quoi. C'est plus de 2 heures sur la map quand même. On est bien là. En fait, je m'attendais qu'elle soit un peu plus satisfaisante à Goldée. Ah oui. Je pense. Et en fait, quand je l'ai terminé, bah j'étais en mode bon, d'accord, allez, suivante. Ah oui, d'accord. Je vois le dos. OMG, le gold ? Non, j'ai pas le gold. C'est une blague. À 547 centièmes de seconde. Par contre, je suis top 50 Occitanie. Et ça, c'est un peu stylé, en vrai. T'es encore sur les maps de Zera, là. Ouais, mais je suis sur une qui m'amuse. Tu me conseilles quoi sur les maps récentes, là? Putain, il y en a plein qui ont l'air trop, trop, trop belles. De quoi? Sur les maps du jour? Celle d'aujourd'hui, bien? Ouais, je l'ai bien aimé, moi. Bien chill et facile. Ouais, ouais, je l'ai bien aimé. Alors, je dirais pas qu'elle est facile, mais je pense que tu vas t'en sortir. Ok. Rare is my tuna. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Oh, c'est trop beau! Putain, j'aime trop les maps belles dans Trackmania. C'est trop deg. Oh, mais putain, j'aime trop les maps comme ça. Mais pendant ce temps, tu fais des maps de Zerator. Non,
Non, ils sont pas belles, désolé, mais parce qu'il y a pas de trucs importés. J'ai échappé avec Marielle Stern et Dora Muto, donc j'étais un peu en mode let's go. Mais je sais pas comment elle date. On dit que tu gueules beaucoup pour une map qui t'amuse. Bizarre. Oh, j'adore cette ambiance. Ah, oh, c'est une map sous l'eau. Ah, mais ça date de décembre 2021, my bad. Qu'est-ce qui date de décembre 2021? Non, j'ai dit que Marlène Schiappa, elle avait reçu Marguerite Sten et Dora Muto, mais je croyais que c'était récent la photo, mais en fait, ça date de décembre 2021. Parce que c'était des personnes recommandables à l'époque? Non. Ah, ça ne change rien alors. Et c'est Aurore Berger. Oui, donc je vous raconte vraiment de la merde. Ah non, mais Marlène Schiappa et Aurore Berger les ont reçus. Là, ça devient de la fake news, là. Là tu vas rejoindre Philippot, là. Ah oui, non, mais là, je raconte n'importe quoi, là. Ça, c'est date de août 2022. Ah, la map est trop bien. Par contre, je pense que je vais l'éclater très, très, très vite. Il me manque plus que moins d'une demi-seconde. Est-ce que je craque le fond de mon ventilateur? Moi, j'ai envie, hein. Franchement, je suis en train de mourir. Après, en vrai, t'as déjà fait un stream aujourd'hui. Si jamais tu veux cut un peu tôt et tout, je t'en voudrais pas. Mais non, mais c'est juste que j'ai envie de jouer, mais j'ai juste trop chaud, quoi. Même si t'as juste joué sans moi hier, quoi, mais bon. Elle avait beau. Non, ben, j'ai besoin du bol, quoi. T'es beau. Chut, il était un peu. Non, mais attendez, je craque, je monte ce ventilo, mais je garde mon casque, comme ça je t'entends. J'en ai pour pas longtemps, allez. Et tu vas me parler ou tu vas juste m'entendre mais pas parler? Non, je vais me rapprocher de toi, non, je vais le faire en même temps. Ok, ok. Allez. En tout cas, cette map est une vraie dinguerie. Si jamais vous êtes des joueurs de Trackmania, même pas forcément très expérimentés, je vous conseille énormément la map du jour d'aujourd'hui. Qui est vraiment stylé et pas si dur. Et la conduite dans l'eau, ça me rappelle un petit peu Mario Kart 8. Je suis heureux. Heureux. Bizarre ce stream Trackmania où on monte un ventilateur, mais c'est vraiment... c'est... sinon je meurs. Prends ça, Kong, sans la puissance. Oh. On la sent bien. Merci Ben Giraffe, c'est merci beaucoup pour l'année de sub. C'est chaud, je fais toi. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai déjà streamé 4h30 et du coup, je pense que l'ordi l'a bien chauffé. Je n'ai pas la clim dans mon bureau. Ah, mais quand même, à ce stade, c'est là que tu vois. Aïe, bizarre un peu. Là, je pense qu'il y a du réchauffement climatique, si tu veux mon avis. Hein. Ah, moi, je pense pas, hein. Il a plu hier. Hein. Ah, ok, c'est bon alors. Il n'y a pas de sécheresse du coup. Après, en vrai, on est fin mai, c'est normal qu'il commence à faire un peu chaud, mais j'avoue que. Ah, bah oui, mais je vis à Montpellier, mec. Hein. Ouais, ouais. Drôle d'idée. J'adore cette ville. Il y fait chaud. Après, il y a des gens qui aiment bien le chaud, hein. Eh ben, je ne suis pas une grande fan de chaleur, sache-le. Ah. Mais tu peux quand même vivre à Montpellier, quoi. Ouais. C'est ça la différence avec moi. Moi, je suis pas fan de chaleur, du coup. Mais vraiment, en fait, moi, je suis pas fan de chaleur, genre vénère, je pense, tu vois. Non, et moi non plus. Hein. Moi, tu m'emmènes pas sur une plage pour me faire dorer la pilule, hein, si j'ai horreur de ça, par exemple. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Il fait méga chaud à Toulouse en ce moment. Ouais, bah, c'est dans ces zones de merde, là, où il fait chaud, quoi. Non, mais je pense vraiment, quand je sors de ma pièce, je vois à quel point vous oubliez pas qu'on a des lights aussi. Et que ça chauffe un petit peu malgré tout. Et est-ce que il fait peut-être que dehors il fera pas hyper chaud mais qu'il fera lourd, tu vois. Il fait un peu lourd aujourd'hui, ouais. Ouais, peut-être ça aussi. Ventilo, il va rester jusqu'en septembre. Facile. Non! Toujours sur la map du jour?
Ouais, j'avais une run de légende, et sauf que la fin, tu sais, c'est vraiment un trou au milieu des pierres, qui est assez petit. Ah, mais c'est pour j'avais ça genre... qu'il faut les faire jusqu'à la fin. Hein ? C'est pour ça qu'il faut les faire jusqu'à la fin, mais toi, tu restarts dès j'avais que tu déjà... fais de la non, merde. Non, je l'avais, déjà fait une fois. La fin est un peu rageante, ouais. Ouais, en fait, la fin, le trou il est vraiment petit, du coup, j'étais pas pile au milieu et j'avais plus de 2 secondes d'avance. Genre, sur le... même sur la médaille d'or, j'avais plus de 2 secondes d'avance. Du coup, j'étais un peu le mort, quoi. Ouais, je comprends. Merci Rostan pour le 9e mois et Stylo pour le 13e mois. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais je fais une pause. Je vais faire une réclame. Je suis cramé. Voilà, maintenant je vais faire une médaille d'or, mais avec une run toute pourrie. Voilà, super. Bah, top. Bah, tu l'as fait ? Super. Bah, non, parce qu'une fois que j'ai la médaille d'or, j'ai plus le droit d'y jouer. Ça bloque dans le jeu. Ah, tu peux toujours viser la médaille d'or ? Ouais, en vrai, ça va. Ça va. Ça va. Je suis à. Je suis quasi 2 secondes d'avance sur la médaille d'or. C'est pas mal. Mais map. De fou! Elle était bien cette map, hein? Incroyable! Je les gold assez vite aussi. Hein. On a un truc pour savoir quelle est la même. Je demande aussi à mon chat en même temps, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit la médaille d'auteur est accessible. En l'occurrence, c'est Kouristo que tu connais. Il me dit la médaille d'auteur est accessible, mais on sait nous combien c'est la médaille d'auteur ou pas? Mais moi, je peux être tenté par la médaille hauteur pour, sur une map pareille, tellement qu'elle est incroyable. J'ai vraiment envie de souffrir, là. Mais ça, si c'est juste pour faire du perfect et limiter les airtime, c'est pas hyper fun, en vrai. Bah, ça va être ça, hein. Ouais, mais à quel point ? Je suis top 9 Haute-Savoie, ouais, ouais. Effectivement. En même temps, vous êtes 12 à y jouer aussi. Très grave. Mais pas totalement faux. Oh non, la médaille hauteur, c'est 40. Ah ouais, ça donne un peu envie. Et en même temps, pas trop. Allez, non. Allez, en fait, y a trop de maps que j'ai pas faites. Il y a trop de maps à rattraper, là. Donc, celle du 26, t'y as touché ou pas ? C'était quoi, celle d'hier ? Oui. Oui, je crois même que je l'ai gold, je suis pas sûr. Allez, c'est parti. Roof, Edge, je sais pas comment ça se dit, mais c'est parti. C'est joli, il y a un style. Après, les maps du jour, elles sont souvent jolies en vrai. Ouais. Est-ce que c'est le moment où je vais me coincer le doigt comme une grosse bouffonne ? C'est possible. Ouais. Oh, on la sent bien. Ouais, ah, j'adore trop créer des maps sur Fall Guys, moi, ça y est. Ouais, je t'ai vu l'autre jour. J'y pense tout le temps à créer des maps sur Fall Guys, mais j'essaye de pas en abuser. Mais ça me détend de fou. Je trouve ça trop agréable et puis je trouve ça trop cool, même s'il n'y a pas énormément de possibilités encore. Ce que mais... je comprends pas, c'est qu'il y a comme une monnaie dans le jeu où tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas mettre à l'infini des éléments. C'est ça, c'est ça. C'est chiant, ça, je trouve ça à cause des joueurs Switch, ouais. Oh putain. Bah je pense que c'est vraiment... En fait, je pense qu'il y en aurait une quoi qu'il arrive, mais qu'à cause des joueurs Switch, t'es obligé de limiter à balles les éléments ah, que tu peux mettre ouais, dans ton niveau, quoi. C'est trop chiant. Merci Cleminity, merci beaucoup pour le 6e mois. Donc ouais, c'est ça. En gros, t'as une monnaie dont... Je sais pas ce que c'est comme unité de mesure, mais en tout cas, t'as 1000 trucs. Et les éléments, ils valent entre 1 et 50 de la monnaie, tu vois. Ah ouais. Donc bon, il y a des trucs, ça va très vite, quoi. Si t'en mets 20, si tu mets 20 trucs à 50, eh ben, tu peux rien mettre d'autre, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est qu'on est un peu limité à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment bien. C'est bon, j'ai monté mon ventilateur. Bravo. Je vais juste aller le brancher maintenant, sinon ça sert vraiment à rien ce que j'ai fait jusqu'au bout, quoi. Ouais, t'électrocute pas, hein. Non, ça devrait aller. Un peu chaud, ça. Ok, c'est goldé. Putain, je suis encore pas très loin de la hauteur. Hein. Oh.
Je suis encore à une presque une seconde de la médaille hauteur, oh, mais... Je retrouve des forces, Fidèle. Quoi ? Oh, je retrouve des forces par le souffle, ah. La brise qui souffle sur mon doux visage. Bravo pour ça. Je me sens énergisée, ça y est. Bravo. Oh, respire.